Hey, salut tout le monde. Bonjour, Normalement, on est bonjour. live. Hey, salut tout le monde. Ça devrait être bon. Dites-nous si vous nous entendez. Allô, allô. Ah, Yes, ça devrait être cool là. c'est bon. Nickel, nickel. Bon, avec Loello, on va faire un énorme BO9, mais un peu particulier parce que déjà, on le fera évidemment pas en spécialiste. Ouais, Le truc ignoble, sinon ce serait pas t'imagines? très intéressant, ouais, un BO9 en Genre spécialiste. prête contre guerrier en spécialiste. BO9. On va jouer les 9 classes BO9 conquête. Donc dès qu'on gagne avec un deck, on le valide. Donc comme ça permettra de voir plus ou moins toutes les classes normalement. Enfin non, c'est sûr même. Pour le coup. C'est ça, bah l'idée c'est que justement avec la nouvelle extension on s'est dit pourquoi pas se forcer à faire un BO où on est obligé de jouer tous les decks, enfin toutes les classes, et donc de trouver au moins un deck par classe. Donc voilà, ça va être un BO9 et puis bah ça permet aussi de voir En bah fait, c'est même pas un chacun BO9. ouais, je sais pas si on appelle ça un BO9 ou un Parce BO. que si on doit gagner avec toutes les classes, c'est genre un BOX. Ouais, c'est ça, ouais, Ok. c'est ça. Mais en gros, ouais, là, on s'est pas trop concerté sur les decks, et justement, ça va être assez intéressant de voir bah, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on a choisi pour chaque classe, comme étant le deck qu'on voulait jouer, comme étant le meilleur deck de chaque classe, quoi, tu vois. Donc, ouais, BO17, du coup, ouais. Du coup, BOD7. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, si t'es chaud, on commence tout de suite. Vas-y, 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 bah, je te dis, Allez. allez, let's go. Vas-y, on se Ok. groupe, du coup, sur Discord? Ça marche. Vas-y, on se fait un débrief après. Tchuss! Ok. Alors, bonjour YouTube du coup, j'ai lancé directement en même temps que le début du live attends, il est où The Fichu? Il est là. Je sais pas si je peux le défier parce qu'il est en... Je vais regarder dans ma collection si j'ai tout ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah merde! Ah, j'ai pas le voleur! Oh zut! Attends, j'ai pas le voleur. Voleur, je déteste cette classe, je n'ai pas créé. Zut, zut. Du coup, alors, comment on peut faire? Il faut que j'en trouve un rapidement. Voilà, on va faire comme ça. Zut, j'avais pas de voleur. J'espère que je vais jouer en dernier le voleur. C'est le deck que j'aime le moins. C'est le deck que j'aime pas du tout avec cette extension en plus. Alors, ouais, j'ai refusé son duel. Il est où, Fish Fish? Fichou a annulé le défi, très bien. Alors, Fichou, duel standard, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok, alors, on a toutes nos classes là. J'ai beaucoup joué toutes les classes du jeu, sauf le voleur du coup. Donc, bon, bah tant pis. De toute façon, le voleur, c'est vraiment pas une classe que j'aime beaucoup. Donc j'ai mon démoniste, c'est un zo. Mon warrior, c'est un warrior aggro. Mon hunter, c'est un hunter quête. Bête, c'est plus fun qu'autre chose, je pense, du coup, ici. Le shaman, c'est un big shaman, c'est pas un shaman quête. Le mage, c'est un mage highlander, bien entendu. Le prêtre, c'est un prêtre raise. Le druide, c'est un druide quête. Le paladin, c'est un paladin murloc. Et le voleur, c'est un voleur tempo que j'ai récupéré avec. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes, mais voilà, voleur, c'est pas forcément la classe qui m'amuse le plus. Mais bon, là, on est obligé de jouer toutes les classes, justement, c'est le but de l'exercice. Donc, avec quoi on commence? On commence avec le Big Shaman, non? Ça me paraît logique de commencer avec le Big Shaman, non? À quoi est-ce qu'on commence, les gars? Le Big Shaman, ça m'a l'air bien, moi. Ça me paraît logique parce que le Big Shaman, c'est le plus polyvalent, que ce soit contre aggro ou contre contrôle, il peut gagner, quoi. Et du coup, je pense que c'est le mieux. Bon, j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu longue parce que c'est un gros BO, BO17. Mais voilà. C'est un concept assez intéressant. J'ai acheté une petite monster pour geeker encore plus, ça fait plaisir. Ok, c'est un démoniste. Alors qu'est-ce que ça peut être comme démoniste? J'imagine que c'est un démoniste zo. Ça peut être si c'est ok, si c'est un zo, manœuvre d'Agatha, je la garde. Mais manœuvre d'Agatha, je pense que je la garde quoi qu'il arrive. La question c'est est-ce que je garde Maléfice ou pas? Ça peut être un zo et ça peut être quoi d'autre? Il y a plein mal de versions di différentes, tu sais, les trucs, les démonistes un peu nuls. Après, elle a commencé en démoniste, hein, quel bâtard. Il y a plein de versions un peu nulles de démonistes, tu sais, qui servent à rien. Donc, je pense qu'on va juste. On va juste garder ça et ça. Genre, Maléfice. En fait, je crois pas qu'il y ait de handlock. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit un zo. À mon avis. À mon avis, il y a plus de chances que ce soit un zo. Je pense pas que ce soit. Ah. Oh, c'est Quest, lol. Hein, est-ce que c'est intéressant du coup?
Qu'est-ce que ça peut être est-ce que c'est un match-up, est-ce que c'est intéressant pour nous comme match-up? Parce que du coup il est un peu lent. Mais par contre, mais qu'est-ce qu'il joue du coup? Cette quête-là, moi je l'ai pas jouée parce que pour moi elle est vraiment nulle. La raison c'est que en fait vu que archéologue suprême, genre en gros le truc c'est que quand tu finis la quête, t'as plus beaucoup de cartes dans ta main. Donc ça rend pas ouf quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup ouais, c'est pas la quête la plus jouée ou la plus. Et comment il vide sa main du coup? C'est quoi les cartes du deck en fait? C'est quoi les cartes du deck? Qu'est-ce qu'il joue en fait? Il joue Zo, il joue, mais il peut pas jouer Zo parce que sinon la quête, ok, des laquais. Sinon la quête, t'as envie techniquement de, comment dire? La quête techniquement, t'as envie d'avoir des grosses créatures dans le deck. T'as pas envie d'avoir des petites, donc ça doit être un truc à base de Ktoon et de trucs comme ça, à mon avis, avec beaucoup d'anti-bêtes. Je pense que ça doit être ça. Mais à quoi ça sert du coup la quête dans ce deck? À quoi elle sert en fait? À avoir des cartes à zéro en fin de partie. Intéressant. On va voir ce que ça va donner. Il joue le beau jeu, Pichou. Ouh, tous les lacs à un mana. Ok. Je suis le monstre tapis dans l'ombre. Peut-être que j'ai pas envie de le tuer. Genre en vrai je peux taper deux fois face avec. Mais le truc c'est que si je le tue je peux jouer Isara au prochain tour, c'est vraiment fort. Ouais vas-y, on sait jamais ce qu'il a dans la main. Je connais pas son deck donc je prends pas de risque. Je pense pas qu'il joue très comment ça s'appelle le truc pour 3 points de mana là. Je pense pas très de l'ombre. Mais on sait jamais. Ok les laquais 4-4 ça va être fort ça. Mais je sais pas s'il en a beaucoup. Il en a généré qu'un seul pour l'instant. Il en a généré que 1 donc c'est peu probable que ce soit fort. Mettre un peu la musique du jeu. Du coup il le bouffe. Mais bon il en récupère deux autres. Ça c'est bien, c'est putain la vache. Ça c'est pas mal pour le coup. Il a récupéré l'Éthérien à nouveau. Donc il peut récupérer de très très bonnes cartes. Après faut voir ce que. C'est quoi sa win condition en fait. Moi c'est ça qui m'intrigue le plus. Quelle est sa win condition? Comment il compte gagner la partie? C'est ça moi qui m'intéresse. Je peux attendre le tour 8 et faire ça et ça. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Si j'attends le tour 8 et que je fais. Faudrait que je fasse. Manœuvre d'Agatha sur ce tour, peut-être? Ou alors je peux faire ça et je fais un tour tempo. Je prends pas beaucoup de dégâts en vrai. Pour ma gloire. Je prends pas beaucoup de dégâts, il a 8-10. Après, si je joue Isera ici. Ah, ça m'embête un peu de la jouer là. Non, je pense que c'est ça. Et on prend Maléfice. J'imagine qu'il a pas mal de grosses créatures. Ok. Est-ce qu'on a envie de Maléfice ou pas? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui, on a envie de Maléfice cette petite créature-là. Et let's go! On diminue beaucoup ces dégâts là, donc dans les prochains tours. Non, mais je vais juste attendre de faire ça et ça. C'est vraiment fort. C'est un très bon tour, genre 8 points de mana, Isera, Esprit. C'est pas sûr qu'il pourra la gérer. Après, ça se trouve, il joue des silences, mais là, je suis complètement en terrain inconnu. Hein. Là, les gars, je suis complètement en terrain inconnu, je connais pas son deck. Appel du vide, ok, ajoute un démon aléatoire de votre main. Ok, celle-là est sur la quête aérien. Putain, il est trop bizarre son deck, mais il est hyper intéressant. Il a combien là? Il est à 10? 8? Oh putain, la vache, elle avance pas vite. Hein. Elle avance pas vite la quête du démoniste. Je n'ai jamais joué à la quête du démoniste. Je trouve vraiment pas ouf. Enfin, en tout cas, sur papier, elle est nulle. Après, faut voir parce que potentiellement, il pourrait dans les prochaines extensions y avoir des cartes que tu peux remettre dans le deck ou beaucoup de mécaniques comme ça qui ferait que cette quête-là devienne forte. Mais là, pour l'instant, si tu dois piocher 20 cartes, plus le mulligan, t'as 3 ou 4 cartes, ça veut dire qu'il te reste 5 cartes et que ton pouvoir héroïque, bon bah. En fait, il pioche une carte et ensuite à coup de 0, c'est cool, mais bon. Déjà, t'es à la fatigue. Quasiment à la fatigue, donc t'as pas particulièrement envie de piocher. Attends. Ah oui, en plus, c'est que le pouvoir héroïque en plus. Ouais, c'est terrible. Ça veut dire que c'est que ça. Quand tu pioches, la carte elle coûte 0. Quand tu pioches, la carte elle coûte 0. Mais pas quand tu pioches naturellement, c'est quand tu pioches avec ça. Oh, sachant qu'il va te rester 5 cartes quand tu vas l'activer. Du coup, il te reste 5 cartes. Est-ce que t'as envie de piocher avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Intéressant en tout cas. Ici comme choix, je pense qu'on fait ça et qu'on est au power. Genre en vrai son board il est un peu relou.
Au prochain tour, je fais ça et ça, ça va vraiment être fort. Oh, néon distordu, c'est nice ça. C'est cool ça, néon distordu en vrai pour le coup. Attends, mais ça compte du coup ou pas? Ah, ça compte pas. Trop bien. Ça compte pas en fait, parce qu'il l'a pas pioché, il l'a défaussé. Il a trop de seum. Trop bien, j'ai eu une petite extinction de voix, les gars, hein, désolé. Ok, donc là par contre ça avance, putain la vache, je suis très intrigué. Je suis désolé, d'habitude j'explique beaucoup les trucs et tout, mais là j'avoue je sais même pas comment ça va se passer. Donc ça, à chaque fois que vous piochez un serviteur, on invoque une copie et lui donne ruée, c'est ça? Qui meurt à la fin du tour, ok, c'est plutôt fort quand même. Alors... ouais, ça me fait un peu regretter le maléfice que j'ai claqué tout à l'heure, mais je pensais pas qu'il avait des grosses cartes comme ça. Après en même temps il avait fait une sortie vraiment très très mal, donc il m'a un peu bait. Pour ma gloire. Ok, on le gère facilement ici, c'est cool. On le gère facilement et on va voir. On va voir au prochain tour s'il a d'autres grosses créatures ou pas. En vrai, je pense qu'il a beaucoup de anti-board de masse. Genre comme Néon Distordu qu'il a défaussé, mais il doit en avoir pas mal. Il doit peut-être avoir genre deux néants, etc. etc. Eh, ça se trouve c'est un Highlander. Non, j'ai vu aucune carte en double pour l'instant. C'est possible que ce soit un Highlander. Hein. On a vu une carte en double ou pas? Non, il me semble pas. Hein. Tu es vraiment t'es reconnu là. Putain. Je devrais peut-être regarder les vidéos de Fichu un jour. Ça a de connaître un peu les trucs. Unité, précision, perfection. Pourquoi elle a pas tapé? Pourquoi elle a pas tapé? C'est trop bizarre. Oui. Ok. Ça me va. Ok, c'est un petit peu dangereux cette histoire. En tout cas, lui, il est un petit peu dangereux, je dois l'admettre. Lui, il est un peu dangereux. Donc, je fais comment? Tempête de foudre. Les lois. Si je roll un dégât des sorts, je peux faire tempête de foudre et ça tue ça, c'est trop bien. Sinon, on fait comment sinon? Je peux maléfice ça, tempête, et au pire je trade là si ça marche pas. Non, ça m'embête ça, ça m'embête. Les lois, ils me parlent. Peut-être que je fais ça, je vois ce que j'ai, et en fonction de ce que j'ai, je fais maléfice ou non. Aïe aïe aïe. C'est pas un mecha ça d'ailleurs, c'est dommage. C'est pas un mecha ça. Je sais pas ce qu'il joue, ça m'intrigue beaucoup, je sais pas comment garder mes ressources, comment jouer mes ressources en fait. Ok, le rêve, pourquoi pas, le rêve ça peut être bien, peut-être ça peut lui faire défausser une carte ou alors ça peut me faire remonter un truc à moi qui est intéressant. Celle-ci est particulièrement réussie. Ok, c'est pas un serviteur. Ah c'est ça un serviteur. Ça va. Là c'est encore un serviteur. Bon, ça va. Là il est trop bizarre son deck. Il est trop bizarre. J'arrive pas à imaginer un monde où c'est fort en fait. Je comprends pas trop bien. Mais bon, c'est pas parce que je comprends pas que c'est nul après, mais j'avoue que je suis un peu perdu. On va faire ça. Ouh là là, si j'avais gardé les cauchemars, c'est vrai que ça aurait fait ça aurait fait de belles choses, hein, on peut le dire. Est-ce que je remonte ça? Il y a moyen. Hein. En vrai, qu'est-ce qu'on en pense? Si je fais ça. Non, je pense que je fais totem. Si j'ai dégâts des sorts, je fais tempête. Ok, si j'ai pas dégâts des sorts, je fais ça.
et on lui renvoie ça dans la main. Ce qui va permettre de défausser une carte, si possible une carte trop bien. Genre l'autre néon distordu par exemple, ça serait vraiment cool. Oh, place. Ah c'est, ah oui, ok. Ok, ok. Ouais, c'est pas... Ouais, en vrai, ça se trouve, il avait une mauvaise main, il en avait besoin, mais ça coûte un peu cher en vrai. Après, genre, ça peut lui permettre d'aller chercher un néon distordu, un numéro 2 ou un truc comme ça. Ah, mais du coup, cette carte-là, on l'a vue deux fois. Attends, à moins que... Non, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Détruis tous les serviteurs pour chacun. Ah ouais, merde. Ok. Oh. Ah merde. Merde, fuck, il avait double gros truc. Attends, le Léon descendu, il l'avait gratos là, what the fuck. Ah, oh, fait chier ça. Ah, oh, c'est pas cool ça pour le coup. C'est vraiment chiant ça pour le coup. C'est trop dur. Oh, ça le heal. Ça aussi, ça va le heal. Putain, c'est trop chiant. J'ai pas bien joué parce que je connaissais pas son deck et je savais pas qu'il y avait la carte qui tuait toutes tes créatures sur ton board et qui tuait les trucs adverses. Du coup, je me suis fait un peu avoir pour le coup là-dessus. Attendez, je vais retweeter son tweet là. Il m'a tweeté machin. Ah merde, j'ai pas passé mon tour. Bon, c'est terrible, je suis désolé. Je déteste ça en plus. C'est, ça m'intrigue énormément son deck, je sais vraiment pas ce qu'il joue, mais à mon avis, j'ai envie de dire à mon avis, c'est... Je pense, hein. À mon avis, c'est... C'est Cthulhu, à mon avis. Je pense. Maintenant, quelle version de Cthulhu, comment est-ce qu'il fait la quête avec son deck et tout, ça je sais pas pour l'instant, mais... Eh ben. On va tout tuer là et on va faire totem. Malheureusement là il m'a tué tous mes trucs. Il faudrait que je top deck mon colossal mon colosse il serait bien ici. Sinon ça va être compliqué hein. De toute façon j'ai pas eu les Eureka. Normalement je suis pas censé trop jouer les cartes de ma main. Je suis censé faire Eureka et les ramener gratos d'abord et ensuite les jouer. Comme ça je les ai tout en double. Là j'ai joué pas mal de cartes d'abord avant de faire Eureka. Donc c'est un peu dommage. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il gère tout. Ok, il va me battre hein. Si c'est un Cthulhu, il va me battre là je pense. Je peux pas vraiment battre ça à partir du moment où le tour où il a géré tout mon board facilement là, il m'a un peu rect. Attends, il a tout remis dans son deck du coup et maintenant il les repioche. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt puisqu'il pioche avec ça? Puisque c'est les cartes qui piochent avec ça qui sont buffées. Je suis très très intrigué par son deck, j'avoue que je sais pas exact. J'ai pas très très bien compris comment ça marche. J'ai pas très très bien compris les tenants et les aboutissants du deck. Je sais pas du tout. Bon, je pense que c'est un Cthulhu logiquement, mais. Je pense que c'est juste Colossus ici. Ça m'embête de le faire parce que j'ai les deux Reka malheureusement, ils sont encore au fond du deck, mais. Mais bon, quand on l'a pas, on l'a pas. Non, pas pour ma gloire. Je pense que c'est juste comme ça. Oh là là, mais quel enfer. Ici, il est 10 000. Putain, il était bas en HP pourtant tout à l'heure. Ok, ça, il veut enlever le bouclier divin. Peut-être qu'il a une manière de taper 10. Parce que soit il fait genre siphonner l'âme. A voir s'il le joue, hein, mais soit il fait un silence aussi, ça peut être fort ici. Après il peut mettre juste des totes. Ok, c'est bizarre ça qu'il est pas tapé avec la 1 d'abord. Oh ok, c'est Cthulhu. Oh c'est Cthulhu les gars, c'est sûr. Bon ça pue hein. Ça pue les Cthulhu, on aime pas ça. Alors comment ça se passe là? Si je fais manœuvre d'Agatha, ça tape 4 partout. Ensuite je fais tempête, je colle 10.
Ok, mort. Putain, il a remonté à 30 HP, ça c'est impressionnant. Oh, encore, mais il en a 25 dans le deck ou quoi cette carte? Comment c'est possible qu'il en ait eu autant? Comment c'est possible qu'il... Attends, parce qu'il les a remises dans le deck. Ah, c'est juste peut-être... en fait, il les a remises toutes les deux et il les a repiochées là maintenant toutes les deux en fait. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà, il en a eu certaines gratos. Mais... Oh merde, ça c'est bien, c'est. Cette violation ne restera pas impunie. Donne-moi la 1. J'ai brisé toutes mes cartes. Ok. Ça va lui prendre du temps parce que la carte elle coûte 6. Du coup, s'il joue effectivement Ktoon. Attends, mais il joue Ktoon avec quoi? C'est quoi sa combo? Oh, Godfrey, ok. Merde, avec le totem du coup ça clean. Oh fuck. Oh j'ai le seum ça. Oh non merde. Oh je suis deg. Oh je suis deg. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un laquais. Du coup ça doit être ok. Pourquoi pas j'imagine. Putain, je suis deck, j'aurais pas du totem, j'avais pas pensé à ça, mais encore une fois, je suis vraiment en terrain inconnu, je sais pas ce qu'il joue du tout, c'est hyper intéressant, mais c'est aussi hyper dur. Fuck. Pour ma gloire. En fait, le truc qui est rigolo là, c'est si je lui laisse ça, si je fais maléfice et que ça reste sur le board. Il peut jamais faire sa combo, on est d'accord. À moins qu'il ait encore une deuxième flamme infernale. Ce qui est pas impossible pour le coup. Les lois, ils me parlent. Je sais pas. Le problème c'est que je sais pas comment il gagne en fait. C'est ça qui me fait chier. J'hésite à maléfier son propre truc. Mais en fait il prend pas beaucoup de fatigue là. Oh merde. Fuck. Je connais pas son deck, c'est terrible. Je connais pas son deck. Je me suis dit ça pouvait peut-être faire tomber Ktoon et je pouvais maléfier Ktoon. Oh zut. Fuck, du coup il peut double trade, il peut suicider ses trucs et là il peut peut-être faire la combo. Je sais pas comment ça marche, ça dépend de... Il a la flamme infernale du coup. Oi 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 oi, c'est une catastrophe ça pour le coup. Très impressionnant. Comment, c'est quoi la combo? C'est deux cartes. Ktoon et... Ok ok, ah oui d'accord, ok. Ok putain la vache, ok. Donc ouais, il faut qu'il vide sa main quand même d'abord. Je me suis dit peut-être ça allait faire tomber Ktoon, mon truc là, mais ça a pas fait tomber Ktoon. Ok, putain, hyper intéressant, je connaissais pas le match-up. Je vais l'appeler. Attendez, on va le call. Alors, où est-ce qu'il est? Elle répond pas au call. Hello. Ah yo. Bon bah GG mec. Elle était vraiment bizarre cette game hein. Genre bah, ouais. On a tous les deux fait des sorties dégueulasses. Ouais, et moi je savais pas du tout ce que tu jouais. Je sais pas si toi tu connaissais le Big Shaman, mais. Si, je l'ai joué, il est super. Ok, mais moi j'ai mis beaucoup de temps au début quand j'ai vu la quête. J'avais pas direct compris que c'était Ktoon parce que je l'ai jamais joué. Et quand j'ai compris que c'était Ktoon, je me suis dit c'est trop bizarre. Genre, chaque tour en fait, j'arrivais pas à deviner les cartes que t'avais dans la main. J'ai pas très bien joué, je pense, parce que je connaissais pas ton deck. Et à un moment, quand t'as clean tout mon board, la double Isera et tout, enfin, c'était super bien joué ça. Et GG, franchement propre, hein. Propre au début, Ouais, après, je pense que c'est plutôt un bon match-up parce que Big Shaman c'est très lent et en fait il y a tellement d'anti-bêtes dedans que il y a plein de fois où tu peux pas, si on trace le board, t'as du mal à reconstruire quoi.
Ouais, c'est Et ça les en fait. Quand antibœufs. tu clean mon board, moi j'ai plus rien à jouer et je passe mes tours. Mais je m'étais dit peut-être que la 5-5 là, vu que ça fait tomber la créature la plus petite de ta main, si Ça jamais peut être Mektoun, s'il ouais. restait que Cthulhu en fait, ça faisait Ouais. tomber Cthulhu et je faisais Maléfice dessus, j'avais gagné. Mais le truc c'est que je savais pas ce que ça faisait tomber. Du coup, c'était. Enfin, je savais pas ce que tu jouais comme deck quoi, vu que c'est pas un deck que j'ai déjà joué. Bon, bah bien joué à toi en tout cas, c'était un beau premier match. Vas-y. Yep. Eh Vas-y, ben allez. vas-y. Vas-y, à toutes. Ok. Bon, bah, beau match, en tout cas, beau match. Qu'est-ce qu'on joue, du coup? Qu'est-ce qu'on joue, les gars? Fichou, fichou, fichou. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Murloc? On peut rejouer Big Shaman, en soi, hein, par contre. On peut clairement rejouer Big Shaman. Hein. En soi, il faut qu'on le passe, donc peut-être autant le passer, non? Qu'est-ce qu'on en pense de le passer, d'essayer de le passer maintenant? Sinon, Highlander? Highlander Mage aussi, c'est chouette, Highlander Mage. Ah, je pense que c'est Big Shaman. Je pense que c'est Big Shaman, ouais. Big Shaman, il est fort. J'aime bien Big Shaman, c'est mon deck préféré en fait de l'extension là pour l'instant. Du coup, bah. Je suis probablement pas très objectif. Je sais pas, de toute façon, le truc c'est qu'on s'est pas concerté en fait exprès sur qu'est-ce qu'on joue. Du coup, c'est un peu la surprise des deux côtés. Ok, là cette fois-ci j'ai eu Eureka, donc ça c'est cool. J'aurais pas besoin d'attendre 10 000 ans pour la jouer. Ça c'est bien. Ça c'est forcément bien. Tempête, je sais pas trop. Je pense pas. Tempête, je les garde que contre les decks aggro. Je pense pas qu'ils jouent aggro. À mon avis, ils jouent contrôle ou bombe. Il y a un war aggro, mais je pense pas que Fichu jouerait ça. A voir. A voir, à voir. J'ai une belle main parce que ça arrive avant ça. Et du coup, ça ramènera ça, potentiellement. A voir, à voir. Mais ah ouais, mais le problème c'est que du coup, lui, c'est ce que je joue maintenant. Mais bon. Mais ça, c'est pas grave. Ah merde. C'est aggro les gars. Mars. Ok. Ah oh, tempête de fou pour 0. Nice. Plutôt nice. Je vais peut-être maléfice au prochain tour. Hein. Ça dépend ce qu'il fait. Idéalement il fait pièce, corcron ou une connerie comme ça. Ça serait trop cool. Idéalement de ouf. Oh tchic-tchac. Attends. Ah non ça magnétise pas. Ah ouais non pardon. Je pensais que ça magnétisait. Est-ce que je le maléfice? Y'a moyen, hein. Y'a moyen parce que moi j'ai tour 5, tour 6. Et en fait j'ai rien. À... En fait genre j'ai des autres AOE, j'ai plein d'AOE dans le deck. Je m'inquiète pas trop. Et lui il joue à un deck aggro donc finalement il a pas beaucoup de grosses créatures. Celle-là c'est probablement l'une des plus chiantes finalement. Après celle-là aussi a réincarnation, mais en fait celle-là quand elle est jouée la plupart du temps elle se suicide sur le même tour. Oh, salut beauté. Salut beau gosse. Ok. Je vais pas faire tempête maintenant parce qu'au prochain tour j'ai absolument envie de faire Eureka. Alors que au prochain tour, eux quand il va les tuer, bah en fait celle-là elle aura qu'un HP et tout et peut-être que la tempête elle sera bien. Mais là sur ce tour-là je pense pas que ce soit ok. Je pense que ça sera une erreur de faire ça. A voir en tout cas. A voir, à voir. Mais après Ziliax il est bien, ça va le ralentir pas mal. Même si c'est pas le meilleur. Le mieux à avoir c'est Colossus. Le Colosse il est vraiment fort. Après là, lui là vu qu'on est contre un deck aggro, peut-être que Ziliax c'était un des meilleurs. En tout cas Ziliax c'est sûr que c'est meilleur que la fontaine. Dans le sens où il a bouclier divin. Maintenant, il y a des situations où t'as deux créatures à tuer, une 3-3. Et s'il y a 2-3-3 par exemple, c'est mieux d'avoir la fontaine du coup. Parce que la fontaine elle tue les deux. Mais bon, dans beaucoup de cas, le Ziliax c'est quand même un peu plus fort parce qu'il tank plus. Là j'ai forcé un tourbillon, c'est génial. J'ai forcé un truc. Mais pourquoi il joue ça? Il joue pas aggro en fait. Il joue pas aggro finalement. Je sais pas s'il joue aggro. Hein. On va faire Eureka. Ok. Celle-là revient à la vie, mais tant pis de toute façon. Là, il faudrait qu'avoir un taunt, ce serait trop bien coffre-fort ou Sunwalker. Oh yes! Yes! Oh, trop bien ça pour le coup. Oh, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Il faudrait que je récupère. Bah, le deuxième comme ça, c'est
complètement top, mais. Attends, je joue Ziliax. Là, la vision vous tente à me donner un bon truc de toute façon. Normalement. Mais j'ai eu beaucoup de chance là. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce nouveau cas, c'est vraiment cool. Mais peut-être que je ferai top 4 de fou en vrai, d'avoir. En vrai, maintenant que je sais qu'il joue aggro, peut-être que c'est bien de garder la tempête, j'arrive pas à savoir. Ça, ça affiche un point de dégâts à tous les serviteurs, ça m'intéresse pas. Plus 2 au totem, c'est vraiment nul, on prend l'explosion de lave hein, dans le doute. Non, qu'est-ce qu'on en pense les gars? C'est mal ça. Ok. Je pense pas qu'il joue baston. A mon avis, il jouera pas baston. Et en vrai, il est pas si haut en HP, hein, vu qu'il a tapé avec ses créatures et tout. Oh, la petite grenouille. La petite grenouille. Ça c'est quoi? Oh, Octozari, lol. Moi j'ai combien? J'ai 6, 10, 16, lol. J'ai beaucoup de dégâts moi. Mais ça c'est bien ça. Mais attends, ça il peut même pas le suicider de toute façon. En vrai il peut pas me tuer, jamais il me tue, je suis à 27. Un petit taunt peut-être. Oh, j'étais un peu greedy, Je suis un peu greedy sur ce coup. Ah. Ok, 1-1. Plutôt cool. Je vais voir s'il m'appelle sur Discord ou pas. Qu'est-ce qu'on va jouer après? J'ai envie de jouer Highlander, mais je sais pas si j'ai un bon match-up contre son deck aggro. Ouais, il m'appelle. Allo, allo? Allo? Salut, ouais, beau gosse. Bon. Un peu bizarre cette partie. Ouais, bah je sais pas, tu jouais. C'était un War aggro du coup? Non, c'était War Highlander. Ah, ok, ok, ok. Parce que moi je. Ok. Ouais, bah en fait, moi juste j'ai eu trop de chance parce que j'ai eu. J'ai eu, comment dire, le Eureka sur un gros truc et en plus j'ai eu le Sunwalker. Du coup, t'as pas pu le tuer, j'ai gagné là-dessus. Hein, pour moi, ouais, ouais, le Sunwalker il m'a défoncé. C'est ça, ouais. En vrai, j'aurais pas eu le Sunwalker si t'avais pu tuer la C6 direct. Peut-être que c'était un peu plus compliqué, mais bon, la C6 elle a invoqué 3-4 créatures. Donc là, pour le coup, j'ai juste eu de la chance. Là, je pense que. Je sais pas si. En vrai, après, si j'arrivais au late game, je pouvais le rejouer à la mano, mais là, j'avais. Enfin, j'ai eu de la chatte quoi sur le taunt. Bon. Yep. Bah, GG à bah, toi allez. Et vas-y, à la prochaine. Allez. En vrai, j'ai envie de jouer Murloc. En vrai, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de Murloc, les gars? Après, je peux jouer. Excusez-moi, je peux jouer Quest aussi. Je peux jouer soit Quest, soit Murloc. Murloc, c'est cool. Hein. Ou Quête. Murloc ou Quête? Ah. Murloc non? Vas-y Murloc. Ah non pas Murloc, vas-y on jouait. Ah je sais pas, ouais vas-y ok Murloc. Pourquoi pas pour le Murloc? Pourquoi pas? Ok, c'est sur son guerrier, comme moi je suis resté sur mon chaman. Mais là maintenant j'ai un avantage sur lui, c'est que moi je sais ce qu'il joue. Lui il sait pas. Il sait pas que je joue Murloc, après il va s'en douter hein. Mais, enfin je pense que c'est pas très difficile de deviner que c'est un Highlander mais que c'est un Murloc parce que c'est la majorité. Tu vois contrairement à d'autres de mes decklists que c'est une minorité, c'est pas très souvent tu vois. Celui-là c'est une majorité. Ça serait bien d'avoir en main de départ, le mieux c'est Prismatic Lens. Je joue Chef Nomi du coup dans cette version de Prêtre Murloc. C'est vrai que j'ai pas trop présenté les decks, j'aurais dû le faire avant de commencer. On va arrêter de pêcher de la merde. Hein. Il va faire comme ça. C'est bien ça. Elle, j'ai envie que la 1-3 meure. Je sais pas pourquoi il joue cette 1-3. Du coup, il joue Highlander War. Highlander War. Pourquoi il joue la 1-3 pour un petit bout en début de partie. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais. Pourquoi tu passes celle de droite? C'est bizarre ça. En fait, si je vais face, je lui enlève son armure, donc c'est bien.
Et si je trade là, en fait, dans tous les cas, cette arme elle peut tuer lui. Mais dans tous les cas, si cette arme a tué lui, et en fait, le shield slam. En fait, le shield slam il me fait pas particulièrement peur. Parce que j'ai pas de créature de toute façon qui peut shield slam. J'ai pas de créature qui peut shield slam en fait. Donc, j'ai toxicité là. J'ai juste. De toute façon, ça il va attirer une value avec. Faut juste que je top deck des bombes Murloc. Parce que je te mets avec des bombes. Alors là, j'ai fait une belle sortie. Là, je lui ai fait une sortie coquine. Hein. Là, en vrai, là, je lui ai fait une sortie un peu coquine. C'est trop bien ça. Ça, c'est quand vous avez ça en main de départ, vous avez une bonne sortie. Après, bon, le reste, c'est vraiment nul. Hein. Là, c'est juste les premières cartes qui sont fortes, mais le reste de ma main est catastrophiquement nul. Hein. Vraiment. C'est-à-dire que c'est les pires possibles. Clairement, je veux dire. Non, c'est pas les pires. Il y a Nomi qui est un peu nul, mais ça, il peut pas grand-chose. Mais ouais. Bah, on va voir. On va voir. On va voir. Je sais pas, je pense pas qu'il arrivera. Je pense que vu qu'il joue Highlander, après, je connais pas très bien le match-up encore une fois, il joue des decks vachement intéressants, vachement originaux, l'affichou. Mais en fait, vu qu'il joue Highlander, je pense qu'il aura pas assez de ressources défensives pour gérer les différentes vagues d'agression que je vais lui mettre. C'est-à-dire que je vais lui mettre une grosse vague d'agression. Bah déjà de début de partie là que je viens de lui mettre là, là il s'en sort, ça va, tu vois, genre il arrive à se défendre, il fait des trucs et tout. Il va y avoir une deuxième vague d'agression avec ça sent le poisson, une troisième vague avec l'autre ça sent le poisson, sachant que du coup il y a les 3-2 qui te font piocher, donc une dernière vague avec toutes les dernières Murlocs, et puis ensuite Nomi qui est genre une sixième vague d'agression. Et du coup bah au bout d'un moment tu peux plus tout gérer. Donc je sais pas, on verra, mais il y a moyen en tout cas qu'il n'arrive pas. On va voir. Je vais faire Leroy dans sa tête. Qu'est-ce qu'on en pense ça le chat? Qu'est-ce qu'on en pense de Leroy dans sa tête hein? Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai envie de garder la 1-1 en vie genre. En vrai, ouais, cette arme elle est bien mais. Mais elle, en fait j'ai envie de pouvoir la buffer. Sachant que je vais jouer ça au prochain tour. Plus j'ai de Murloc, mieux c'est. Je peux pas avoir un seul Murloc sur le board. C'est vraiment trop dur un seul Murloc. Si c'était pas un Murloc, j'aurais suicidé, mais. Ou si j'avais pas ça dans la main, j'aurais peut-être suicidé. Mais là, je vois pas trop. Ok, ça c'est un peu effrayant parce que s'il a Ziliax, il va me battre. S'il a Ziliax là, c'est hyper chiant parce que moi j'ai pas de silence, j'ai vraiment rien. Ouh, c'est très mauvais ça. Oh là là, j'ai pas une bonne main du tout. Ok, bon, on va juste prier pour pas qu'il ait Ziliax en fait. Je pense que c'est notre seul espoir. Là, au prochain tour, il prend peut-être Leroy et tour d'après, il prend ça sent le poisson. Ça sent le poisson, ça peut donner l'étal parce qu'il y a les deux 1 charge qui sont très fortes. C'est sale. C'est sale, c'est très sale. C'est abusé en vrai. What the fuck? Dommage. Dommage pour moi. Ah, c'était trop fort ce truc là. J'espère qu'il est pas Ziliax hein. Ouais, juste ça. J'ai pas vu s'il a la top decké aussi. Je crois qu'il a la top decké. Faut que je valide que j'écrive aussi quelque part les classes qui sont, que j'ai déjà validées. Je vais les écrire sur là, je pense. Alors il y a 1-1 là. Et lui il a validé. Alors moi j'ai validé. On va mettre le score là. Moi, texte, j'ai validé mon Big Shaman. Je crois que c'est ça. Hein. Ah merde. Pourquoi il y a ça? Je vais pas le tuer de toute façon. Je vais tuer ça. On sait jamais qu'ils mettent pas trop de dégâts d'un coup. J'attends, je joue l'autre. Mais ouais, c'est dommage de pas avoir pioché une seule
l'anti-prismatique. C'est vraiment très important. Parce que là, même si je joue l'autre, en fait, ça va pas me. J'aurai pas les lentilles et puis eux deux vont me faire piocher. Donc en fait, ça va pas invoquer tant de trucs que ça. Mais bon. Faudra le jouer quand même parce qu'il faut piocher vite le reste du deck. J'ai pas trop le choix, malheureusement. Quand t'as la lentille prismatique, des fois tu peux faire tous les murlocs sur tour 5, c'est vraiment fort. Là, c'était une très mauvaise sortie de ma part. T'as, je veux dire, ça, Leroy, c'est juste les pires cartes à avoir. C'est les cartes que tu veux surtout ne pas avoir. Moi, je les ai tout de suite, quoi. Genre, en plus, j'avais dit à un moment, ouais, genre, on a toutes les mauvaises cartes, il manque plus que Luna, que s'appelle Nomi, et j'ai eu Nomi. Donc, moi, j'ai validé, oui, voilà, je compte ça. Moi, j'ai validé Shaman, et lui, il a validé Démoniste, c'est ça? Et ensuite, mon Shaman, il a gagné contre son guerrier, et son Démoniste, il a gagné contre mon Shaman. Et lui, il a validé Démoniste. Voilà. Hop, c'est bien ça, c'est bien. Je pense que c'est important de. Comme ça, parce que là, on est au début du BO, donc c'est facile de. C'est facile de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, mais plus le BO va avancer, plus ça va être dur. On va se dire, ouais, machin. Ah non, il avait déjà validé, c'est con. Je m'envoie à la fatigue hein, de toute façon, après j'aurai une Omi. On en profite hein. Ok, j'ai joué ça d'abord pour gagner de l'attaque. Le Sir Finlay, j'aurais peut-être aimé l'avoir dans la main. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave du tout. C'est juste tout, c'est vrai que s'il était dans ma main ça aurait été chouette. Ok, donc là-dedans il me reste la lentille numéro 2. C'est dommage vraiment qu'elles étaient toutes les deux au fond. Mais il me reste aussi Zephyr. Et Zephyr c'est fort. Ouh. Pas très agréable ça. C'est pas très très agréable de se prendre ça. Je dois exprimer mon mécontentement quant à l'existence de cette carte. Et cette carte aussi elle est hyper relou pour moi, dis donc. Ça suffit maintenant. Hey. 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 Putain, il m'agresse vraiment beaucoup hein. Il m'agresse vraiment énormément hein, le coquin. Au prochain tour je vais top decker la carte, j'ai pas besoin de les jouer ces cartes là. Le tour qui m'a vraiment mis au fond c'est le tour où il avait le Ziliax, je pense. Le tour où il avait le Ziliax c'était trop dur pour moi. Mais là il va tuer lui et il va taper Fae je pense. Il doit jouer dans sa. Moi dans ma version de Warrior je joue Grommash, Leroy et tout. Donc ça m'étonnerait pas que lui aussi les joue. Ok. Bon ça tape que deux fois par contre. A voir s'il aura envie d'aller face ou pas avec. Ok. Ça fait mal mamie. Ok. C'est trop bien ça, je sais pas s'il arrivera à la passer mais. Mais non. Mais non. Oh là 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 là, mais c'est débile ça. Ah non il l'a pas. Ah si il l'a. Ah si il l'a, je l'aime. Et je me suis dit il a pas tapé avec son arme, ouais il avait pas tapé avec son arme. T'as abusé ça. Abusé. Fais chier. Allo allo. Ouais, ah, j'ai chaté. T'as pas un peu honte? T'as pas un peu honte? Fallait que je cherche un truc qui blessait, il y avait soit sous chef, soit ça. Ok. Bah GG, bah ouais, moi j'étais un peu au bout de ma vie. Les deux dernières cartes de mon deck, c'était les lentilles prismatiques. Ah ouais, bah, et t'avais pas Zephyr en main? Si, bah c'était la... En fait, dans les trois dernières cartes, c'était les deux lentilles et Zephyr en fait, si tu veux. Ah ouais, parce que là, quand j'ai mon arme, si tu fais Zephyr, ça te donne un limon.
Ouais. Mais en fait, moi, je me suis pas dit que t'allais avoir l'étale, en fait. Je me suis dit, Ok. peut-être t'as une baston dans la main ou à la rigueur, peut-être t'as, genre, j'étais vraiment haut, donc une seule carte, ça se faisait pas à donner l'étale. Du coup, je m'étais dit, ouais, tranquille, tu vois. Au pire, t'as une baston, au pire, t'as un truc. Et vu que j'allais commencer à prendre des dégâts de fatigue, il fallait que je joue. Je me suis dit, fallait que je joue Nomi un peu tôt. Mais ouais, mais là, c'était surtout les lentilles prismatiques qui arrivent, qui sont les deux dans les deux dernières Ouais, cartes c'est du crade deck. ça. Enfin, genre, ça a aucun sens, quoi. Donc bon, GG, GG. Bah, dommage. Eh ben C'était fort pour la top deck à la fin, j'en suis bien fait punir. Vas-y, bah. Ok, il y a 2-1, c'est ça? Allez, c'est ça. Ok, vas-y. Ok, à toute. Ok, bon bah, je me suis fait un peu souiller ici, je suis dégoûté. J'étais vraiment abusé. Mais. Je sais pas. En vrai, Murloc. C'est un deck de sortie quoi. Là j'ai fait une belle sortie en vrai. La 1-2 là, le Tidecaller était vraiment cool, c'est méga fort. Je pense que c'est Highlander. J'ai envie de jouer Highlander, Mage ou Zulok. J'ai pas envie de rejouer Murloc, j'ai envie de perdre. Mais genre, enfin. En fait, quand je perds sur. Tu vois, genre quoi, le Démoniste, j'ai perdu, c'est parce que je connaissais pas bien le match-up. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Démoniste, j'ai perdu parce que je connaissais pas le match-up, je connaissais pas le deck en fait, tu vois. Mais là, j'avoue que lui, il m'a un peu sanctionné, il m'a un peu mis la misère bêtement, quoi. On rejoue Murloc, non? Ouais, vas-y, cool, c'est pas grave. Vas-y, on va passer ce Murloc là. Au moins, ça sera fait. Ok, j'ai la lentille prismatique cette fois-ci. C'est une très bonne nouvelle. Zephyrhis n'a pas d'intérêt, on le veut en très fin de partie. La lentille est extraordinaire, c'est la meilleure carte. Après, il nous faut les Tidecaller. Les 1-2, pas celui-là, l'autre. Mais bon, ça c'est bien ça. Faut voir ce qu'il joue, je pense qu'il va jouer quête. Ouais, classique, classique. Classique, classique, les gars. Hop. Pourtant, quand je lui avais dit, tu connais mon Big Shaman, il m'a dit, ouais, j'aime bien et tout, je l'ai joué. Donc, bizarre, mais. Bah, je veux dire, après. Peut vouloir jouer quête, c'est un peu plus safe quoi. Donc s'il joue quête shaman, ça veut dire qu'il a masque crit guerre, donc c'est souvent des laquais ou des trucs comme ça, mais je pense que dans tous les cas ici on double Murloc, non? Pense que dans tous les cas on double Murloc. S'il a Orion de Terre, on a un peu le seum sur la réincarnation, mais je pense qu'il l'aurait déjà fait. Et au prochain tour, il y a moyen que je pièce la lentille prismatique. Parce que c'est très vite arrivé que le sort de ouf là il coûte que dalle quoi. Ouh! Bah après je sais pas s'il va avoir des AoE, mais normalement lui son deck il en a pas beaucoup hein. Normalement, hein. Je dis bien normalement parce qu'on sait jamais mais. Mais normalement lui il en a pas beaucoup. Ah. Ok. Et c'est quoi ça? Ah ok. Sexy. Oh le zap en plus là. Ça c'est bien de l'avoir pioché comme ça je le récupère pas là-dessus et je vais le jouer à la mano. Ok, plutôt nice. Lui, il est trop bien. Faut lui mettre des modes, ces bâtards. Ces bâtards, j'ai eu beaucoup de chance en vrai. Bah, 2-2. Pardon, merde, j'ai pas mis aux autres joueurs le score. Vu que. Attends. Moi j'ai validé quoi là? J'ai validé Paladin. Et lui il a validé quoi? Il a Allô? validé. Ah yo! Bon, C'est une belle partie dans cette là. il y avait pas grand chose à dire là sur cette game là pour le coup. Mais ouais, là c'est. Quand t'as le truc pour 2 points de mana, c'est vraiment horrible à jouer contre, je trouve. Ouais, il est fort le deck. T'avais pas d'AoE du coup? Non, j'ai pas d'AO dans le deck.
Ok, bon bah bien joué, c'était rapide. Est-ce que tu peux me dire la classe que t'as validée la game d'avant? Parce que moi j'écris les classes validées en même temps. C'était le guerrier. Ok, ah oui, ça va, ça va. Ok, bah bien joué, bah vas-y, bah go à tout à Allez, l'heure. ben on recommence. Tchuss. Le guerrier, effectivement, donc il avait des démonistes et guerriers. Hop. Donc là, je l'ai battu avec ça. C'était son chaman. Il y a moyen qu'il le rejoue. S'il le rejoue, j'ai envie de jouer quoi contre? J'ai envie de jouer ça, je pense. J'ai envie de. Surtout s'il le rejoue et qu'il a pas d'AO, a priori, j'ai envie vraiment de jouer un truc qui floute de mort de ouf et comme ça, go go go. Face, 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 enfance. Ok, il le rejoue, nice. Devant vous, ça tient. Mecha Jaraxxus. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais au début de la vidéo, mais toutes les decklists seront dans la description de la vidéo. Hein, bien entendu. Toutes les decklists que je jouerai ce soir seront dans la description. Voilà. Même s'il y en a certaines qui, je pense, vous les avez déjà vues parce que je les ai déjà sorties en vidéo. Je vais garder Génie du ML, non? Et Diablotin de Flamme. Diablotin de Flamme, c'est excellent. Mais Génie, c'est bien aussi. Géant des mers, je sais pas quoi en penser, je pense pas que ce soit bien. Il est vite nul le géant des mers. Ok, donc ça c'est la quête. Putain, il a chaté quand même, il a eu la quête en main de départ. Le relou quoi. Je vais totalement piécer. Je vais totalement piécer ça ici. Parce que en fait, lui j'ai envie de bouffer lui, parce que c'est une 1-1 trop facile à manger. Et lui. Et le truc c'est que si je joue que lui, bah j'ai le somme de pas taper 3, sachant que lui il est fort vraiment si tu Mais joues oui, tour c'est 1. la bonne direction. Et si je le fais pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouh, c'est mieux ça, non? Je suis pas sûr que ce soit mieux. Je suis pas sûr que ce soit mieux, je pense que c'est comme ça. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, il est bien celui-là. Il est bien. Des fois il est nul parce qu'il te donne de la merde, mais globalement il est censé être bien. Après en zoo en général t'aimes bien le 2 points de dégâts. Il est très très bien le 2 points de dégâts. L'évolution des fois elle est bien quand tu fais un petit trade ou quoi, c'est des fois ça peut. Oh il va value trade! Oh là 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 là, le disrespect est total! Le disrespect! Le disrespect! Très nul, très nul, très nul. Waouh, fait chier. Waouh, on pouvait pas avoir bien pire. Hein. Fait chier quoi. Oh là là. Ok, donc je vais faire ça sur lui. Et je vais aller full face, je pense. Ok, faisons comme ça. Je pense pas que ça va être le coup de trade, quoi que ce soit. Je pense que c'est à lui de faire les trades, vu que c'est moi qui mène un peu la danse. Après, il a un laquais ou pas? Non, il a pas de laquais sur le board. Mais il pourrait avoir un laquais. Ok. C'est quoi, c'est. Le 2 points de dégâts? Oh, dur. Il avance bien sur la quête là. Hein. Il est déjà à 5 sur 6. Ouais, celui-là il est pas facile, hein, là. Ça va pas être facile là, j'ai vraiment eu de très très mauvaises cartes. En fait, le départ était bien là, mais là mon mid game est hyper nul. En fait, en gros, j'ai. Genre, j'ai rien à jouer, j'ai eu les deux laquais, c'était les deux laquais de merde qui donnaient des trucs nuls, et du coup, bah maintenant je suis. En fait, c'est deux laquais qui peuvent être ok, qui peuvent être nuls, mais là on a vu, bon, bah, ça nous a vraiment donné des catastrophes. Et donc, du coup, là je me retrouve dans une situation bizarre quoi. Comment je gagne maintenant? J'ai forcément perdu. Ça me fout un peu dans la merde cette histoire. Hein. Moi, je rejouais ça, mais je pense pas que je puisse gagner malheureusement. Je suis obligé de le jouer, je peux pas patienter parce que c'est un deck très agressif quand même en face. Mais ouais, là c'est dur pour le coup. Fuck. Ça c'est vraiment serré, hein. Il gagne, je gagne, il gagne, je gagne à chaque fois. Incroyable. Encore! Elle est trop forte cette carte et à chaque fois les chamans ils l'ont deux fois, j'ai l'impression.
Ok, Solarium ça peut être un début de solution, de toute façon on est plus ou moins foutu ici. Ok. Tapis volant, pourquoi pas. Ma main était vraiment tellement nulle que finalement toutes les cartes que j'ai piochées étaient meilleures. Elle était vraiment mauvaise main là. Mais bon, je suis content, j'ai eu de la chance là. Parce que tapis volant c'est vraiment top, s'il le gère pas, je suis vraiment bien. Après je sais pas ce qu'il a, il va avoir, mais de toute façon son pouvoir héroïque là il est génial. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est fort ça. C'est plutôt fort. Non, mamie, tu joues des trucs trop forts, voyons. Fuck. Je pense pas que je puisse revenir, mais... Ouais, non, là, je suis foutu. Je pense qu'il le sait, je vais dire bien joué, comme ça, il va se dire que je suis foutu. Il va faire peut-être de la merde, et après, je vais faire Néant Distordu. Je sais pas, je dis ça, en vrai, tu dis rien de perdre, quoi. Quand ton adversaire il te dit bien joué, des fois tu te dis ok c'est bon il est dans la merde, vas-y j'y vais. Oh c'est fort ça dis donc. Oh c'est vraiment fort pour le coup. Ok je vais prendre mes 6. Ça va pas m'aider hein, le néant distordu si je suis foutu malheureusement. Ça va juste gagner un peu de temps mais... Mais en fait il a trop de cartes dans la main. Et quand même il en avait pas beaucoup, le pouvoir héroïque est trop fort. De voir qui est trop puissant, mais il l'a vraiment validé hyper vite sa quête, c'était impressionnant. Il a quasiment eu que des cris de guerre à 1 et 2. J'espère que vous aimez mon invention. Ok, waouh. Ouf, c'est fort. Oh, c'est fort. Ah, c'est nul ça. Ouais, non, je reviendrai pas. Je vais pas lui montrer mes cartes maintenant. Je vais pas lui montrer mes cartes parce que ça se trouve il sait pas que j'ai deux Argus par exemple. Et ça m'arrange qu'il le sache pas, je vais pas lui montrer alors que je vais le réaffronter avec le même deck après. Ce serait quand même un peu con. Moi je suis un peu déçu là pour le coup. Donc là il a validé son démoniste. Alors hop. Non c'est non pas son démoniste pardon, il a validé merde c'était quoi déjà. Ah son chaman oui. Terrible. Terrible la mémoire. On va appeler le banquier. Allez, allo! Allo, allo, allo! Allo, allo! Oh là 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 là, putain, oh là quel humour! Quel humour, c'est mon métier! GG pour le stomp, mec, c'était solide. Solide! Bah, ouais, c'est un peu. Bah, Shaman Quête, c'est débile! Hein. Ouais, ouais, Shaman Quête, c'est vraiment fort! Mais je sais pas, moi, je suis vraiment pas sûr de Zo, de la force de Zo. Genre là, honnêtement, en fait, ma sorcière était pas dégueu et tu m'as roulé dessus, tu vois. En fait, Zo, c'est super fort, mais. Les versions du zoo, tu sais, avec les vautours et tout, en fait, elles sont assez late game. Donc, je pense que c'est bien contre guerriers, c'est bien contre les decks lents. Ouais. Mais contre les decks très énervés, contre les chamans. En plus, là, ma version de chaman quête, il y a énormément d'early, en fait. Je joue pas les gros trucs. Ouais, j'ai vu, bah, j'ai vu après, là, quand tu piochais à la fin, tous les machins, t'as énormément de petites cartes crit de guerre. C'est pour ça que t'as aussi, t'as fini ta quête tour 5 ou tour 6, tu vois. Non, non, elle est bien ta version, moi, j'aime beaucoup. Je l'aime bien. Et ouais, le zoo, en fait, il est. Juste, il est beaucoup plus value que sous l'éveil des ombres, mais il est moins agressif quoi. Ok. Il y a moins okay. De T1 et tout, j'ai l'impression en tout cas. Oh, ouais, bah effectivement. Et après aussi, toi, t'as pas mal de cris de guerre, tu sais, je vois qui gère une créature, soit ouais. Qui. Et c'est infernal ça pour un zoo, parce que du coup, tu fais d'une pierre deux coups, tu développes et tu gères des trucs et c'est horrible. Enfin bon, bah, GG, c'était propre. C'était propre. Vas-y. On fait une petite pause Ouais, vas-y, ok. Vas-y, okay, allez, petite pause et on se retrouve tous dans 5 minutes, à toutes. À tout de suite. Alors, on va faire une petite pause ici sur YouTube aussi, vu que ça va être une longue vidéo. Donc voilà, vous pouvez directement skip à dans 5 minutes. Donc on reprendra direct. Oh, il a annulé le défi. On reprendra directement dans 5 minutes. Et puis sinon, bah voilà, vous pouvez rester un petit peu. Je vais pas mettre de musique étant donné que voilà, sur YouTube il va y avoir des problèmes de droit encore. Je vais me faire striker, ça va être chiant. voilà, je fais des bisous, je vous retrouve tout de suite. Et bien, de retour, hop là, c'est parti.
On relance directement. Donc, petit résumé pour l'instant pour ceux qui nous rejoignent maintenant. On a 3-2 pour l'instant dans ce BO. 17 au total hein, contre The Fichu. Shaman, guerrier et démoniste validé du côté de The Fichu. Shaman et paladin de mon côté. Mon démoniste m'a fait un peu défaut là. Je perds 2 games avec mon démoniste, c'est ça? Je suis un an, une. Mais vraiment pas foufou là, ça s'est pas très bien passé. À voir maintenant. Moi j'ai déjà validé mon shaman et mon paladin. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer là maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer? Je pense que j'ai envie de jouer soit Highlander, soit. Tout ce Xo, ça rend pas fort quoi. J'ai envie de jouer Highlander. Qu'est-ce qu'on en pense de Highlander? C'est bien non? Je pense que Highlander c'est bien. Je pense que c'est l'un des meilleurs. Je pense que dans tous les decks que j'ai là, c'est probablement le meilleur. Enfin, en termes de vraiment de puissance dure, donc pur et dur. Donc là, peut-être pour revenir au score, bah en sortant le Highlander, ça va juste nous donner une free win, tu vois. Peut-être, peut-être pas du tout. Peut-être pas du tout, on verra. De toute façon, tu peux peut-être en savoir, mais bon. Alors, moi, dans ce match-up là, qu'est-ce que je veux? J'ai un Hospice dans le deck, j'ai un Zephyr dans le deck, j'ai Intelligence des Arcanes qui est bien, Éclair de Givre. Peut-être que je garde le faisceau, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Peut-être que la main elle est bien en vrai telle qu'elle est là, non? En vrai la main elle a pas l'air dégueulasse hein. Elle a pas l'air dégueulasse la main, en vrai j'ai tout gardé. En vrai c'est une main qui est bien. Parce que lui, dans ce match-up là, il a... C'est très 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 dur pour lui de gérer Nova Hospice. Donc si je tiens jusqu'à tour 5, je fais Nova Hospice, si je l'ai, hein. Je fais Nova Hospice, et en fait lui, sa seule réponse, c'est Murloc Charge, plus Murloc Charge, plus la 1-2, vous savez, pour 1 qui donne toxicité. Sinon, il peut pas battre mon machin. Ok, ça agresse, il a un Murloc Charge en moins, plutôt nice. Reno Jackson qui va nous permettre de gérer aussi de bons trucs. Est-ce que j'ai envie de geler lui? Non, ça toujours meilleur plus tard. S'il joue la 3-3 qui donne plus 2 d'attaque, je prends 4 mais... Ouh, l'antiprismatique en pièce. Ouh, ça va faire très très mal ça. Ça va faire très très mal mes bros. Ok, si je fais ça, là j'imagine, là il y a une chance qu'il ait eu l'anti-prismatique, qu'il ait eu l'autre, la deuxième comme ça, tu vois, vu qu'il échappe un sort, et sinon il y a, disons que si tous ses sorts sont dans son deck, il a 66% de chance d'avoir eu un des deux Murlocs, un des deux appels de Murlocs, et il a 33% de chance d'avoir eu la deuxième lanti. Donc, si on a de la chance, il a une lanti, mais sinon s'il a le truc, je peux toujours geler, donc ça va. Ouh là 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 là, pour 3 mana en plus, c'est trop fort. Ouf. Mais je crois que contre lui... Attends, comment ça se passe là? Comment on va faire ça? Attends, si j'avais un mana de plus, s'il avait un tour après, s'il avait juste pas eu genre pièce et machin, j'étais trop bien, je faisais ça et ça, ou alors ça, tu vois ce que je veux dire? À voir après, tu vois genre, ça va. Le problème que j'ai... Est-ce que j'ai un problème en vrai? J'ai pas vraiment de problème en réalité. Est-ce que j'ai un problème ou pas? Je pense que c'est genre... Ça me fait chier que... Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas mon hospice en fait, hein, c'est surtout ça. Et du coup, je peux ping là. Là il va complètement deviner qu'il y a un blizzard qui arrive mais il peut rien faire à part s'il a l'anti-prismatique ou une arme. Moi dans ma version je joue une champion. Ah bah il a la deuxième lanti, ok. Mais moi je joue une machin mais... Ok donc là il y a combien de dégâts sur le... Il y a combien d'HP? Il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc si je fais blizzard là, comment ça se passe? Si je fais juste blizzard, ok. Il reste ça. Non il reste... 1-1-1-1 et 5-3, ça va hein. C'est pas mal en vrai. En fait le Zephyr, si j'arrive jusqu'au tour 9 ou un truc comme ça, il va pouvoir me donner un sort de ouf. Le Zephyr, il va pouvoir me sauver d'une mauvaise situation. Parce que là il a fait la deuxième lentille, donc je pense qu'il a le deuxième appel de Murloc.
Pas un truc qui donne des HP au Murloc, c'est chiant ça. Oh non. Oh non. Il y a tout. C'est dommage parce que j'avais Reno Jackson. Donc là, si ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En termes d'HP sur le board. Donc là, Reno, il fait pas le taf du tout. Par contre, ce qui peut faire le taf cependant, c'est contrôleur mental. Il doit y avoir un moyen. Sur lui, idéalement. Pourquoi pas. Et on va faire du gel, je pense. Je peux faire les deux sur lui et le pinguer. Mais je pense que c'est moins intéressant. Si je fais Zephyr ici, ça pourrait me donner une dinguerie pour le prochain tour. Je suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Je pense qu'au prochain tour, je ferai Reno Jackson. Ou alors Zephyr Blizzard. Normalement, ça devrait me donner à Blizzard. Alors si je le fais maintenant, ça pourrait me donner un silence à zéro ou une connerie. C'est ça qui me fait peur en fait. Genre le Zephyr, je sais pas encore parfaitement comment il réagit en fonction des situations. Je l'ai fait dans plein de situations et des fois il a fait des trucs assez bizarres. Je sais qu'il a été patché il y a 2 jours. Il y a 2-3 jours il a été patché. Ils ont fait un hotfix, donc ils ont, par rapport à par exemple quand il y a un hospice funeste, ils donnaient pas de silence ou des trucs comme ça. Et je sais qu'ils l'ont amélioré, mais oh, encore. C'est le deuxième ça. Oh, c'est le deuxième, l'autre je l'ai, il est là. Ok, bon les gars, il est relou, il est très très chiant. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? Ça, ça me donne, ça peut me donner choc de flamme ça. Vous savez ce qui est le plus triste? C'est que je crois que attends, je crois que dans la main il a le deuxième appel de Murloc. C'est très embêtant. Mais attends, là si je fais là, supposons que je fasse Zephyr et qu'il me donne Blizzard, c'est cool non? En vrai, il me donne forcément Blizzard normalement. Ok, parce que je me disais, oh baston c'est mieux. Non, Blizzard c'est mieux, non. Si je fais Blizzard, en fait, ces trucs ils meurent pas. Du coup, c'est limite une bonne chose en fait. Parce que ça les gèle et ça tue que lui et lui. Donc il a que 2 places et moi ça reste sur le board. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Qu'est-ce qu'on en pense, le chat? Alors que la baston, en fait, ça tue quasiment tout. La baston, je sais pas si c'est mieux en vrai. Mais moi que ce soit Blizzard, mais. Si je fais baston, ouais, mais dans tous les cas, il va refaire l'appel de Murloc là. Ah, je pense que c'est bizarre. Je pense que c'est bizarre. Baston était ok aussi, c'était pas bête de faire baston. Mais le truc, c'est que ça le fait piocher et tout, donc autant peut-être passer un tempo là. Peut-être qu'en vrai, ça c'était mieux de le tuer. Je sais pas si ça c'était mieux de le tuer ou pas. Parce que si tu le tues, il pioche ses Murlocs, donc potentiellement le deuxième appel de ouf là, et il était un peu moins fort. Donc là normalement j'ai porté, je peux faire ça. Normalement hein. J'aurais pu mais... Ah non c'est pas sûr en fait. Attends, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux pas faire boule de feu. Comment je fais là? Non, je pense que je le fais dans tous les cas hein. Peu importe en fait. Peu importe, c'est toujours le meilleur truc là. Ok, ça a laissé lui. Nice. En vrai, c'est cool ça. Donc lui, il est pas trop dangereux, ça me va moi. Et j'ai pas d'autres, j'ai pas de Murloc moi, donc de toute façon, je peux la jouer. Je pense être peut-être 1-2. Oh, elle est bien là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il a combien de cartes dans son deck? Il a encore 7 cartes. Oh, ça sent le poisson. Oh, dis-moi qu'il y en a que 3. Oh nice, il y en a que 3. Mais ça se trouve, il joue Nomi. Parce que moi, dans la version, je joue Nomi, mais je sais que c'est pas tout le monde. Mais c'est pas impossible qu'il la joue pour le coup. Oh, il va trade lol. Il a plus de Murloc donc ça c'est juste une 6-2. Moi il y a un monde où je fais ça, Flame Strike et Full Face non? Si ça me donne Flame Strike, mais normalement ça me donne à 100% non? Nice. Ok, nice. Et on s'en sort pas trop mal là en vrai. Parce qu'on a un très bon board là. En fait on a un board très dangereux pour lui. Je vois pas trop comment il revient de ce board là. Parce que lui, si même dans le cas où il joue Nomi elle est dans le deck. Par contre, il pourrait avoir Zephyr, enfin Zephyris. Et s'il a Zephyris, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Parce que Zephyris, potentiellement, ça peut me...
ça peut me, comment dire, me clean mon board ou lui donner un létal ou une connerie, tu vois. Zephyrs, c'est la pire carte, faut jamais faire confiance à Zephyrs. Elle n'apporte que des malheurs, les gars, que des malheurs. Je vais faire avec ça, je vais faire ça épique, je pense. Je vais aller full face là. Parce que j'ai une boule de feu dans la main et que je peux le tuer à tout instant. Ah, nice, on va la gagner celle-là. Je vous l'avais dit, le Highlander c'est un peu mon joker un peu. Il est vraiment fort. Et puis c'est bien de gagner là contre ce paladin parce que comme ça je sais ce qu'il joue pour la prochaine. Vu que bah, à chaque fois il reprend le deck qu'il a joué à celle d'avant. Et du coup bah je sais que c'est tôt ou tard, de toute façon même s'il le rejoue pas à la prochaine, quand il va sortir paladin, bah je saurais que c'est un paladin Murloc. Vu que ça pouvait être un Highlander fichu, il a joué des decks assez chelous donc. Autant faire gaffe quoi. Alors je l'appelle. Hello, hello, hello. Salut, salut. Putain, c'était serré, hein. Franchement, c'était chaud, hein. Là, c'était chaud, ouais. J'ai vraiment essayé de survivre, survivre, survivre. Et j'espère que tu t'épuises. Et bah, tu t'es épuisé. J'ai eu un peu de chance. Ouais. Bah, j'ai eu le poisson en main, là. Un poisson en main. Et ouais. Donc, l'autre lentille m'a rien donné. Donc, j'ai pas pu, on va dire, à partir du moment où t'as fait le blizzard, j'ai pas pu refouder vraiment le board. Ah ouais, j'avoue ça c'est chaud. Mais tu l'as fait tôt quand même le machin. T4 ouais. Ouais t'as fait T4 le... Après t'as pu faire Nova, Blizzard, Blizzard, Flame Strike. Ouais. Moi j'avais gardé, bon, en fait j'ai gardé en main de départ Nova, Blizzard et Ray of Frost. Et j'attendais juste l'Hospice parce qu'en fait toi dans ton deck t'as aucune manière de gérer Nova Hospice à part si t'as le Murloc Charge plus sa toxicité. Du coup je m'étais dit bon en fait je garde ça et je suis sûr de pouvoir gérer sa combo. Mais en fait toi ta combo t'as fait pièce lentille et du coup tu l'as fait sur 4. Du coup j'avais pas la mana pour faire Nova Hospice ou quoi, je pouvais faire juste Nova dans tous les cas. Et du coup j'avais un peu peur que tu me tues en un tour mais bon, t'avais pas les... T'avais pas ce qui buffait l'attaque. Et ben 3-3 en tout cas. Yes, GG mec, vas-y à tout. Allez, on y retourne. Je sais pas ce que je joue là en troisième deck. Alors, en supposant qu'ils reprennent Paladin Murloc, qu'est-ce que moi je veux jouer? Je pense le Prêtre Rez, il est bien non? Le Prêtre Rez, il est chouette, je pense. On joue Prêtre Rez? Ouais, Prêtre Rez, c'est un bon deck. C'est un investissement sûr, le Prêtre Rez. Non, le druide, je pense pas. Le druide, il... Je sais pas si j'ai parfaitement confiance au druide. Le prêtre 4, je lui fais confiance. Je suis monté top 50 légende avec. Le druide, je suis pas sûr. Ce qui est bien, c'est qu'il est trop facile à anticiper. Puisque à chaque fois, il reprend la place avec laquelle il a perdu. Mais en réalité, c'est la plupart des joueurs font ça. Quand tu regardes bien, en vrai, la plupart des joueurs, en fait, quand ils perdent avec un truc, ils le rejouent. C'était Frodan qui expliquait ça pendant un de ses casts. Ah, je pense que je vais aller chercher le taunt à 5, je vais aller chercher des trucs comme ça. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, je pense que dans tous les cas, je veux des trucs très défensifs très tôt, globalement. La 5-5, elle me heal certes, mais... J'aime pas trop. Enfin, elle est bien, mais... En fait, la 5-5, elle est bien pour moi, elle est bien après. Là sur tour 5 je préfère jouer la 2-6 parce que même s'il la tue, vu qu'il a pas de silence, même s'il la tue, ça tue un truc à lui. Alors après éventuellement si j'ai la 3-1 qui reste un truc c'est cool aussi tu vois. Ça va être fort contre lui hein. Faut juste pas que je me prenne comme tout à l'heure, bah là il a plus la pièce mais faut pas juste pas que je me prenne lentille et machin direct. Ça rend fort ça. Ok. Ok. C'est juste ça, non? Ah, un truc, c'est ce qui m'embête, c'est qu'il a potentiellement d'autres. Il a potentiellement d'autres créatures qui ont un HP, mais. Ah, hein. Je vais faire ça là. Je vais faire ça, tant pis. Là, il va peut-être donner plus de HP. Du coup, j'ai préféré le faire tout de suite parce que sinon, la toxicité elle allait être chiante et j'allais devoir claquer ça ou ça. Alors que ça ou ça, j'aimerais bien les garder pour bah voilà pour lui par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça m'embêtait un petit peu quoi. Le play m'avait pas l'air ouf. On va dire. J'ai commencé par celui qui tape 3.
Parce que potentiellement celui d'après il pourrait avoir plus d'HP s'il lui rajoute des HP ou quoi. Alors que celui-là, en fait, le prochain, si jamais il s'en buffait ou ça par exemple, je peux le tuer avec ça. Alors celui-là, je pouvais le tuer que de cette manière-là. C'est chiant ça. Non, c'est fort ça. Ouh, mamie, c'est fort. Aïe aïe aïe, c'est puissant. On fait quoi? On fait ça et je me heal. Je pense, non? Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? La lumière vous brûlera. Attends, en vrai, si je pièce ça... Non, je sais pas. Oh, elle est pas trop mal. Si jamais ça, il peut pas gérer facilement. Normalement, il joue pas de silence. Hein. Normalement. Je dirais 90%. 80, 95% même. Allez, je me mouille. Hein. Je me mouille. Oula. C'est pas une bonne carte du tout, ça, pour moi. C'est catastrophique. C'est même l'une des pires, je pense. Parce qu'en fait, tu t'as pas envie de leur donner un Murloc. Déjà, de base, toi, t'as pas envie d'en avoir. Mais bon, la carte, c'est pour ça qu'elle est forte. C'est parce que tu donnes des Murlocs à quelqu'un qui en veut pas. Mais t'as surtout pas envie de machin. Ok. En tout cas là celle-là elle est chouette. Putain, chouette ce petit BO contre Pichu là, j'avoue que plutôt cool. Plutôt cool parce que là en début d'extension comme ça, ça te permet de bien voir les match-up, te dire ok ah ce match-up là et ça se joue comme ça, ouais là ça se passe, il se passe ça, machin et tout. Bon en tout cas sur cette game il a pas eu l'anti-prismatique. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Et ma quête elle est en train de bien avancer hein, mine de rien là. Oula c'est fort ça. Attends, moi je suis à combien moi? Je suis à 12, donc si je me heal ça suffit pas. Putain, il l'a eu gratos ça? Abusé. Attends, non. Si, il l'a eu sur lance-poisson, il l'a eu sur ça. Ouh, attends, j'ai aucun serviteur qui est mort, je crois, à part. Attends, mais comment ça marche? Est-ce qu'il a réincarnation deux fois ou pas, du coup, le truc? Comment ça marche, les gars? Qui sait? En vrai, si je fais ça. Alors, je pense que c'est juste. Je sais pas. Si je fais ça et que je me heal. Là, je pense que si je fais ça, je fais ping là. Parce qu'en fait, le heal, il va se valider quoi qu'il arrive. Mais le truc, c'est que là, il a pas réincarnation lui. C'est ça qui m'enquiquine un peu. Ah, j'aime bien. Si j'atteins le tour 9 et que je fais ça, c'est vraiment fort ça. Puis même s'il fait le sort à 8. Ah mais non, attends, parce qu'il... Ah merde, c'est moi qui jouais deuxième. Attends, c'est moi qui avais la pièce. Ouais, c'est pas de chance ça. Parce que du coup, en fait, il peut faire le sort à 8 et ensuite... Ouh, what up deck ça. En fait, il peut faire le sort à 8 et ensuite moi, je dois gérer... Ah, c'est chaud. Après, je trouve qu'il l'aura pas, il a pas fait de partie prismatique. C'est pas mal. Là, ce qui est bien en tout cas, c'est qu'il me met absolument zéro dégâts. Le prêtre, il se heal beaucoup trop. Là, il a genre, il me tape zéro. Enfin, pas zéro. Peut-être pas zéro, zéro, mais. Mais il tape pas très fort quand même. Genre, ça me heal full, ça va me heal. On est plutôt bien en vrai, on est plutôt bien. Là, il faudra que je top deck Katrina ou. Déjà, il faut pas que lui il fasse ce sort à 8 en vrai. J'ai pas pensé. Ok, tape avec son arme, ça veut dire qu'il garde ses murlocs en vie, donc a priori il le jouera pas. Donc là, je remonte à 30, moi, c'est plutôt cool. Après, je reprends des dégâts, mais je veux dire, à tous les tours, je reprends des dégâts de toute façon, c'est pas vraiment le. Oh, what? Ah, ok, c'est Temponomi. MDR. Oh, what? Katrina. Alors, si je fais Katrina. Ziliax, c'est bien. Et la 3-4, c'est bien. Mais si, imaginons le scénario catastrophe où je ressuscite la 3-1, évidemment. Il faut toujours imaginer le pire scénario. Évidemment, si je ressuscite une des bonnes, une des deux bonnes, c'est parfait, 66%. Mais dans le cas où je ressuscite la 3-1, il a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je suis à 23. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à 23. Sachant que par exemple, s'il top deck la 3-3 qui donne plus 2 d'attaque, lui il gagne 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, non, là, il me tue carrément. Je sais pas, je pense que le play c'est ça et Mood l'ombre mort. Il faut que je tue cette Nomi, elle est trop forte. Et là, au prochain tour, à la rigueur, je pourrais faire play de la mort et on est tranquille, tu vois. Mais juste, en fait, j'ai pas envie. En fait, je pense que Katrina sera souvent forte. Mais je pense que sur ce tour là, c'est trop dangereux de la jouer. Je pense. Hein. Oh, il a eu ça sans le poisson. Ok.
Ok, c'est plutôt cool. En vrai, il a pas eu de chance parce que il l'a eu tour 9, il aurait pu l'avoir tour 8. Et du coup, bah moi, s'il avait eu tour 8, c'était un peu la merde. Et vu qu'il l'a eu un tour après, bah du coup, je peux faire plaie de la mort là et les faire s'engouffrer dans les sables mouvants. Les sables du désert. Olé! Olé! Yes! Psst. Ok, donc là normalement il s'épuise. Hein. Ok, c'est quoi la dernière carte qu'il a dans la main là? Une carte qui a l'air vachement inutile quand même. Je pense pas qu'il arrivera à le tuer de toute façon. S'il chope toxicité, ça sert à rien de le buffer. Oh non, j'ai eu celui-là. Ok. Pourquoi pas? Après, elle peut ramener elle. Hein. Et sachant qu'elle le ramène avec. Elle lui donne l'effet machin là. Là, ça se voit ça. Pour le coup. J'aurais pu faire ça aussi en vrai. Ça me heal, ça c'est GG là. Yay! 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 Parfait ça, parfait! Putain, il est bien ce prêtre. Hein. Bah, j'avais confiance. Hein. J'avoue, le prêtre et le mage étaient mes meilleurs decks là. Là, j'avoue que le prêtre et le mage, j'avais très très confiance. Ok, cool. Je vais noter ça et. Alors, hop. Allo, allo! Hello! Yo mec, GG! Bah, GG, c'est pas passé. Ouais, bah là j'avais trop de. T'as pas eu de chance parce que il s'est passé un truc en particulier. Genre ton appel de Murloc là, tu l'as joué tour 9. Et en fait, oui. Si tu le jouais tour 8, j'avais rien pour gérer, j'étais dans la merde, j'étais mort. Et en fait, juste tu l'as eu un tour après. Et en fait, le tour 9, du coup, j'avais le sort à 9. Mais tu l'aurais eu le tour d'avant, t'avais forcément gagné parce que j'avais aucune carte pour gérer, j'avais pas de taunt, j'avais pas de heal, j'avais rien. J'étais dans la merde. Donc ouais, ça c'est dommage, mais après t'as pas eu la lentille et tout, ça c'est comme d'habitude Murloc, hein, si t'as pas la lentille c'est compliqué. Bah c'est vraiment un deck, ouais, c'est un bon deck mais en fait c'est ultra high roll quoi. C'est ça, c'est ça, et si ça roll bien tu déglingues tout mais sinon c'est compliqué. Ok, et le prêtre t'en as pensé quoi du coup? J'aime bien, mais je crois que j'ai une version qui est pas loin d'être la même. Ah ouais? C'est sympa les... prêtre résurrect. Ouais c'est bien, hein, c'est bien. Ouais je préfère cette version là à celle qui joue les clercs du comté du nord et tout tu vois. Ouais. Enfin, les clérics là, tu vois, genre les 1-3 et tout. Il y a une version qui joue ça avec les cercles de soins et tout. Et en fait, tu fais ta quête beaucoup plus vite. Mais le truc, c'est que tu ressuscites pas parce qu'il y a plein mal de petites créatures quoi. Mais je sais pas, moi je préfère celle-là du coup. Je joue celle-là. Ok, bah GG mec, vas-y. Allez, bon, continue. Vas-y à toutes. Ok. Du coup, j'ai validé. Donc là, 4-3. Et du coup, moi j'ai validé en plus le prêtre. Ça, c'est cool. Texte prêtre. Voilà, on va acheter ça. De mon côté, j'ai pas précisé derrière les côtés tout ça, mais bon. Là, c'est logique qu'en bas c'est moi, puisqu'en bas c'est le pseudo, c'est mon pseudo, et en haut c'est le pseudo de Vichou. Ok, prêtre validé, ça c'est cool. Donc lui, peut-être qu'il va ressortir encore le miracle, donc je vais valider ces trois là, c'est rentable. Donc là, il m'en faut encore valider 5 et on est bon. Tempo War, Tempo War, ça peut être chaud. Hein. On peut jouer Hunter Quête aussi. On peut jouer Druide aussi. Hunter Quête ou Druide? Druide, non? Vas-y druide. Vas-y druide. Druide, j'ai confiance aussi. Druide, c'est mon... J'ai moins confiance que le Hunter. J'ai moins confiance, je pense, mais... Mais c'est chouette, druide. Je pense que je peux gagner... Je peux y gagner easy. Oh, il a repris encore Murloc. Fuck. Ah, je sais pas si je suis bien contre Murloc. Je pense que je suis ok. Donne-moi une petite innervation, là. Pas de petite innervation. Allez, on veut la petite innervation. La ramène. Ramène, innerve. Innerve direct, tour 1, là, ça fait plaisir. Allez. Oh, dommage. Ok, bon, j'ai pas la pièce ni l'innervation, donc j'aurai ma quête un petit peu plus tard, mais... Bouge pas que lui fasse un départ de taré. Après, il a gardé 4 cartes sur 4 mains de départ, donc j'imagine qu'il a un très bon départ. Après, à voir. Oh, il a pas joué de tour 1, mais pourtant il a gardé 4 cartes. C'est bizarre, ça. C'est très étrange, ça, dis donc. Attends, il a gardé 4 cartes sur 4. C'est bizarre qu'il joue pas de... Je suis surpris, là, pour le coup. Ok, un petit Murloc, là, de 1 charge. Non, pas là, de 1 charge. Juste la colère, lui, hein. Moi, je le colère, ça permet d'avancer sur la quête, c'est cool. On est à 2. Au prochain tour, on pourra faire des abeilles. On passera à 3. Et le tour d'après, bon, on verra si on top deckera un truc, mais. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh no! Speak
spectaculaire. Oh no. No, no, no. Fuck. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Bon, tiens, prends un Murloc. À l'attaque. À l'attaque, War Leader. Fonce. Fonce, chef de guerre. T'as pas ton armée, mais. Ah, il a eu la lentille sur la lentille. Oh, yo, 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 yo. Il aurait pu avoir un Murloc à 1, il a joué là, cependant. C'était pas impossible, qu'est-ce que je veux dire. Libérez votre esprit de ces choses. Faisons. La panthère, non? La panthère, je pense. Ok, nice. Bon, là, je vais avoir la quête. Ça, c'est trop cool. Ok, donc maintenant, la game commence pour moi. Pour le coup. Et ça, d'ailleurs, ça va être pas mal parce que j'ai pas mal de créatures. La petite murmie qui saute ici, lui, il va avoir plein de murlocs, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que avec tous les murlocs qu'il va avoir... En vrai, en plus, la quête, ça peut rater parce que il peut avoir l'appel... ok. Parce qu'en fait, vu que tu joues Nomi dans le deck, ça peut arriver que ça parte sur Nomi. Auquel cas, t'as trop de seum. Mais bon, tu peux rien y faire. Hein. Ok, alors. Comment j'ai de dégâts, moi? Attends, lui, il est effrayant de ouf. Lui, il me fait très très peur en termes de damage. Le balayage, il est pas incroyable. Je pense que c'est ça, juste. Je pense que c'est ça, ouais. Qu'est-ce que l'on pense de ça, le chat? C'est bien, hein. Le balayage, il est pas ouf, ici. Ah! Si je fais ça, ça me redonne les deux. Le heal et le machin, mais bon, le heal il sert à rien ici. J'ai pas de. Si je fais ça, ça me redonne les deux aussi. Peut-être que c'est ça le play. Ça me redonne les deux, du coup, c'est bien. J'ai peur de mourir. J'ai très peur de mourir. Je pense que c'est lui. Ok, lui il va là, c'est sûr. Lui il va là, c'est sûr. Et il en reste plus que un. Et je pense qu'il va là. Je pense en vrai juste. Je pense que la panthère elle est mieux. Je pense que le plus important c'est d'avoir le maximum de créatures et non pas. Parce qu'en fait, le fait qu'elles aient plusieurs HP. Qu'elles aient un HP de plus, ça, je sais pas, ça faisait vraiment la diff. D'autant plus que là, il y en a pas mal qui vont mourir. Et quand je vais jouer ça, ça va tout bouffer. A voir, à voir. Mais ouais, de temps en temps, quand tu fais l'anti-prismatique, ça peut échanger Nomi et le sort à 8. Tu peux piocher les deux. Du coup, bah, Nomi, elle coûte 8 et le sort à 8, il coûte 7. Le 500 poisson, il coûte 7. Du coup, il aurait pas pu le faire, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des scénarios où s'il fait l'anti-prismatique, il peut quand même pas faire... Okay. En vrai c'est compliqué pour lui hein. Après il a beaucoup de cartes dans la main donc j'ai pas envie de dire c'est compliqué. Mais moi j'ai beaucoup de bonnes cartes dans le deck. Et j'ai beaucoup de cartes dans la main aussi d'ailleurs. Mais surtout dans le deck j'ai des très bonnes cartes. Ouh c'est chiant ça. Ok. J'ai pas de Murloc à 0. Je crois pas hein. Pas que je sache. Pas que je sache ici normalement. Ok ok. Ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Je peux faire comment là? Je peux faire ça et trade dans la 2-3, c'est bien. Hein. Sinon, je peux faire ça et ça. Mais je pense que c'est moins fort. Lui, ouais, c'est peut-être meilleur en vrai. À voir. En fait, moi, j'ai envie d'aller chercher rapidement mes Starfall. Les AOE de ouf, là. Très fort. Donc, on va faire ça. Ah merde! J'ai fait une erreur de ouf. J'aurais dû trade comme ça et le faire sur l'autre. Une erreur naturelle. Aïe 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 aïe, je m'en veux. Psst. Psst. Merde! Zut zut zut. Aïe aïe aïe, je m'en veux là. Putain, j'ai été nul. Ça revenait au même en fait, il prenait 2 dégâts dans tous les cas lui. Et c'est juste que je gardais plus de créatures. Mais en fait vu que ça tapait... En fait c'est pas un sort qui tape 3 en fait, c'est des créatures qui vont taper 1-1-1-1. Donc c'est plus intéressant d'essayer de les value pour qu'elles restent en vie. C'était logique, c'est juste que... J'ai mal joué. Donne pas plus à plus des HP là. Donne pas les HP. Oh nice. Pom-pou-dum. Pom-pou-dum.
Ok, balayage numéro 2. Ok, on va accélérer un petit peu la partie ici, je pense. On va jouer ça. La terre-mère est occupée. On va jouer ça. On va balayage là. Ok, bon, il a plus beaucoup de cartes lui. Hein. Il va galérer. Hein. Là, il va plus pouvoir gérer mon truc. Hein. Là, il avait. En vrai, là, j'étais bien. J'ai validé ma quête. Il a fait sa sang de poisson. Bon. Du coup, bah, le fait que j'ai très très bien a fait que j'ai pas perdu la partie. Je suis juste passé de très bien à. Ah, ça va, c'est un peu galère. Et là, en fait, genre, je suis en train de revenir dans un scénario où je suis très très bien parce que chaque tour qui passe, moi, je profite énormément de mon pouvoir alors que lui, non. Et donc du coup bah si la game s'éternise c'est moi qui vais gagner. Mais faut pas qu'elle s'éternise non plus jusqu'à Nomi. Et Nomi peut vite arriver. Et pour tout ce que je sais, ça se trouve il a le deuxième 500 poissons dans la main, je peux pas le savoir. Et si là et qu'il le fait là il est à la fatigue, j'essaie de tout gérer le tour d'après fait Nomi, j'ai perdu hein. Là il n'y a pas de débat possible. Ok il l'a pas. En vrai non je savais qu'il l'avait pas là. Oh il est validé lui. Ah ok mais il est pas validé. Ça serait marrant. Salut Nomi, salut beauté. Alors, comment on fait les gars? Si je fais ça... Sinon je peux faire genre... Je peux faire genre ça. Les joyaux des sables. Ah non merde! Ah non zut! Oh, fait chier. J'avais oublié. C'est pas grave, alors je vais le garder pour Scénarius. De toute façon la meilleure cible c'est Scénarius mais... La meilleure cible de toutes ces scénarios. Druides de garde de Lotis est l'une des meilleures cartes du jeu. J'aimerais bien que elle a pioche, donc je vais juste faire plus 1 plus 1. Ok. J'ai envie de garder un mana flottant pour pouvoir que elle a pioche. Là, je cherche mon scénario rapidement. Oh, il a eu le deuxième! Il a la fatigue? Lol. C'est fort. Hein. C'est très très fort. Là, c'est très dangereux. J'ai toujours pas mes Starfall. Heureusement que je pioche un petit peu. Donc, j'ai plus de chances de les avoir. Mais ça me fait piocher aussi. Ah, c'est chaud, hein. Oh, waouh. Ok, il gère ça. Ok, bon. On va pas tarder à se prendre une Nomi, les gars. Hein. Non, c'est sûr et certain maintenant. Donc, ça pue. Et quand ça pue. Ça pue les gars. Non attendez, en vrai si je fais Druides là, la puissance, elle prend de là il me reste 7 mana. Donc si je balayage de toutes mes forces, genre méga fort comme ça, bam, dans sa tête, je vais découvrir un truc. J'aurais dû commencer par ça. Starfall c'est vraiment le feu. Oh Starfall non. Starfall c'est trop bien. Et que je donne plus 1 plus 1 parce qu'on s'en fout un peu à la rigueur de ça maintenant. Et on va face. Et là on pourrait avoir l'étal au prochain tard à voir. Oh non Zephyrus. Non j'avais oublié qu'il avait Zephyrus aussi. T'as joué exactement la même version que moi carte pour carte je crois. Aïe 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 aïe. Et ça c'était le truc parfait pour lui parce que du coup ça lui donne bah ça lui permet en fait d'atteindre Nomi parce que j'imagine qu'il y a Nomi dans la main. Ou même si c'est la dernière carte ça change rien. Il va pouvoir l'atteindre du coup. Aïe 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 aïe, c'est chaud patate. C'est chaud patate mes amis. C'est très compliqué ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. La puissance, elle prend... En vrai j'ai une idée de ouf. Si je fais ça Ça, tu vois. Je joue ça et je joue ça. En fait, l'idée c'est qu'il peut pas faire Nomi parce que s'il fait Nomi, il est mort. Yes! Mais oui! Il faut juste que je mette assez de dégâts en fait. J'aurais pu aussi jouer ça. Et en vrai, juste je mets assez de dégâts, il peut pas faire Nomi. Ah, nice. Quel plaisir. Voilà, ce qu'il m'appelle sur Discord. Pas encore. Hello! Yo! Yo! Je vais pas rejouer le paladin, je pense que je le garderai à la fin parce qu'il est quand même pas très très intéressant. Le murloc? Ouais. Oh, t'es pas obligé de le rejouer, hein. Je sais pas pourquoi si okay. Tu rejoues toujours le même deck, hein. Tu peux changer. Moi j'ai perdu en zoo et en fait ce zoo c'est vraiment nul donc c'est pas, je vais jouer à la fin. Hein. Je pense que je vais garder les agros pour la fin. Ok, ça marche. Bon, ouais, tu t'en penses quoi toi du paladin murloc? C'est pas très fort?
Si, c'est un bon deck, mais en fait, c'est. En fait, y a pas... je trouve que c'est pas un deck où tu réfléchis beaucoup. Ouais, c'est sûr Parce que que. tu vas juste mulliganer tout le temps qu'une seule carte. Enfin, tu vas chercher qu'une seule carte. Ouais, Et... un Mais anti-prismatique. c'est intéressant. Y a quelques joueurs qui arrivent à faire des top ladders avec. Donc... Ok. Et le druide 4, t'aimes bien ou pas? J'aime bien. Après, je l'ai pas assez joué. Donc, je sais pas si la meilleure version, c'est la Maligos ou la version classique. En fait, la Maligo, ça bat tous les decks combo un peu lent, etc. Parce que bah tape super fort, tu vois. Genre comme d'habitude classique, et la version quête, c'est du mid-range en fait. Genre c'est comme Druid Jade à l'époque ou des trucs comme ça. Ça peut tout battre, ça peut perdre contre tout. C'est vraiment du mid-range classique. Et je sais pas, moi je préfère la version comme ça. Mais en vrai, c'est en ladder, moi ça marche pas. Je fais que de perdre avec. Ah ouais? J'ai fait quelques victoires avec et après j'ai perdu genre peut-être 6 games d'affilée, j'ai arrêté de le jouer. Ouais, Donc bah peut-être que Maligo c'est un peu mieux, mais. ouais, je pense aussi à voir. Mais il est plus dur à jouer, Maligos, pour le coup. Oui. Ok. Bah vas-y, Ok, bah. et ben on y retourne. Bon courage à toutes. Ok, 5-3 pour moi. Et on va rajouter ici. Alors qu'est-ce qu'on va jouer? Alors ça c'est validé, ça c'est validé, ça c'est validé, ça c'est validé, ça c'est validé. Oh merde, il reste les pires classes là. On joue Tempo War? Vas-y, 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 vas-y. Tempo War, ça va gagner vite, hein, moi je vous le dis. Ok, nice. J'ai gardé Berserk Acumen, c'est sûr. Ah, c'est même pas sûr en vrai. Attends. Ouais, je pense qu'il joue quête. Ça paraît logique qu'il joue. Ah, c'est pas sûr. Parce que tout à l'heure, quand on a fait le débrief de quand j'ai gagné en machin, il m'a dit ouais, c'est intéressant. Machin quest. S'il dit c'est intéressant, c'est que c'est pas ce qu'il joue lui. Tiens. Donc s'il joue pas ça, ouais, bah de toute façon il y a pas mal de versions de prêtre en ce moment, mais je pense que Berserk Acumen, genre dans tous les matchups je le garde, enfin dans tous les versions de prêtre je le garde. Il est fort en vrai, il est très fort. Oh, j'ai les deux, lol. Ouais, peut-être les deux c'est un peu too much, mais aïe aïe aïe, ça fait trop de tour 3 là, si j'avais su. Ok, c'est quest. Pourquoi il était surpris? Alors après ça... Ah non, ah oui, non mais c'est quest, oui, mais ça veut pas dire que c'est... Ouais, donc je raconte. C'est quest, mais ça veut pas dire que c'est... Que c'est résurrection comme le mien. Va faire ça. Au prochain tour, je fais ça et ça éventuellement. On verra. Peut-être juste ça. On verra en fonction de ce qu'il joue là. Oh, maintenant mon dollar, no! No! Laisse mes trucs! J'avais pas du armor up sur tour 2. Non, c'est une erreur, genre contre prêtre. Après, tu me diras si je m'endommage, il va me heal donc. En vrai, peut-être c'était correct. Pas la 2-6. Elle est relou la 2-6. C'est de la pièce. Après, si c'est pas résurrection. Je sais pas en vrai, je sais pas quoi en penser. Y a la version avec les 1-3, etc. qui est vraiment pas mal aussi. Les 4-3 et tout, les trucs comme ça. Maître l'âme blessée, clair du comté du Nord. Et... Ok, donc il joue la version que je jouais tout à l'heure. Qui est un peu relou, hein, on peut le dire ici, Fishman. Donc là, si je fais plus 2 d'attaque, il passe à 3-5. On va faire comme ça, on va voir ce qu'on a comme laquais. Comme laquais. Donne-moi un bon laquais. Ok. Ça sent bien que ça tue pas lui. Pas de chance. En vrai, il aurait pu peut-être ne pas réussir à le gérer. Peut-être que là, il allait jouer un truc, mais bon. Et la pièce à 2-6, c'était le pire truc possible pour moi. Mais moi, je pouvais pas la laisser en vie. Ça, c'est sûr et certain, je pouvais pas la laisser en vie. C'est trop dangereux de la laisser en vie. Ok, on va jouer double check-check. Je vais les jouer séparément ou je les magnétise? L'idée, c'est qu'il pourrait jouer des silences. Mais si je les magnétise pas, il pourrait faire les machins là. Après, je pense que 4 d'attaque ça le fait vraiment. Oh, j'ai un petit peu du taper. Oh non, en vrai, ça change rien, il est à 5. Ah, j'ai un petit peu du taper. Là, ah, je sais pas. Ça change rien parce que là, sur ce tour-là, il va jouer la le taunt là. Soit la 5-12, soit machin.
Oh lol. Ok. Ça m'arrange en vrai qu'il fasse ça. Hein. Genre il se rend pas compte. Je vais garder mon arme parce que j'ai pas de d'autre arme à équiper, donc y a pas de raison d'enlever. Ça c'est fort parce que 4 d'attaque ça va le faire chier. Genre à part avec Forbidden il le gère pas. Après il pourrait avoir un silence, mais bon. Moi je joue pas de silence dans ma version. Il a l'air de jouer pas mal les mêmes versions que moi. Ça se trouve il les a pris sur mon YouTube. Hein. Ça expliquerait pourquoi il m'a battu trop fort. Hein. C'est-à-dire les abonnés d'Aleule TV sont les meilleurs. Hein. Le plus haut niveau de jeu bien entendu. Waouh. On avait beaucoup de cartes de clean de board. Il en avait marre, dis donc. Ok. Ok, je fais ça. Et en fait la raison c'est que si là il joue un truc qui tape les créatures entre elles, hystérie collective, il y a moyen que elle tape elle ou elle tape elle. Donc j'ai des chances de gagner. Enfin que je l'ai rendu sérieux ce que je veux dire. Oh mode l'ombre mort, ok bon. Il investit. Il a raison en vrai parce que en investissant comme ça, il est juste sûr de pas mourir. Il veut juste pas mourir et il sait qu'il va remonter à 10 000 HP, il a 1 milliard de heal. Ok, si je fais ça, il passe 6-4. Il a déjà joué deux mots de l'ombre douleur et un mot de l'ombre mort. 6-4 ça me paraît bien, non? Qu'est-ce qu'on en pense les gars? 6-4 ça me paraît cool moi. Ok, on va le mettre à 12. Il joue pas exactement la même version que moi. Moi son War Tempo, lui son War Tempo il jouait une version un peu plus lente que la mienne. Moi je joue une version beaucoup plus agressive. Après là le prêtre pour l'instant c'est exactement la même version. Carte pour carte. Deux émaux de l'ombre mort. Mais c'est pas possible. Il a eu les 4 mots de l'ombre. Oh, c'est l'enfer cette carte. On la déteste cette carte les gars. On la déteste. Elle est trop forte sérieux. On va taper là. On va jouer ça. On va se récupérer. On va prendre ça, même s'il a pas beaucoup de cartes dans la main, je cherche pas particulièrement à avoir un taunt ici. Est-ce que je tape comme ça? Je tape comme ça, je vois ce que ça tue. Ok, et on va faire ça, et on va aller full face. Ok, et en vrai il y a moyen de lui voler. Hein. Là il y a moyen de le tuer à tout instant. À tout instant il y a moyen de le tuer, hein. Rappelons que là-dedans il y a un gros machin. Rappelons-le, hein. C'est important de le rappeler, là on l'oublie très vite. On l'oublie trop souvent le gros match. Après le problème c'est qu'il a beaucoup de heal lui dans son deck. Donc il va probablement réussir à remonter. Ouh, Katrina Muerte. Ok. Ça ressuscite quoi du coup? Ça ressuscite la 2-6 taunt là. Oh la merde. Oh la merde, attends, j'ai l'étal ou pas? 2, 3, 4, 5. Ah non, il manque 1. Allo. Ah si, non c'est bon, je l'ai, il est là. Yes! C'est un super counter Leroy à Résurrection. Ah non merde, j'ai écrit War, c'était pas War que j'ai validé tout à l'heure, c'était quoi? Zut, j'ai écrit War avant, là c'est Druide. Ok, bon du coup War il est déjà écrit mais je vais le remettre dans l'ordre. C'est Druide, je me suis trompé. Ok, attends, hop. Alors Druide. Il est intéressant ce petit BO là, il est intéressant les gars. Bon il y a plus 5-3 du coup depuis un moment je crois. Non? Je sais plus. Alors, il m'appelle ou pas? Pas encore. Tu choisissais le paladin sur 4, tu pouvais monter. Yo! Yo! Ah, dommage, j'ai pas eu la bonne résurrection. Ouais, t'as déchaté sur ça. Et Leroy, c'est un gros counter de prêtre résurrection. Faut pas hésiter à le jouer tôt. Ouais. Mais je t'ai fait une sortie coquine. Hein. Je t'ai fait une sortie coquine là pour le coup. Genre, j'avais les deux berserkers écumants. En fait, toi, t'as pas pu. Je sais pas si t'avais des cartes de développement ou pas, mais globalement, t'as pas pu trop développer parce que t'essayais de tuer les trucs à chaque fois
Et du coup, c'était un peu chiant pour toi. Mais t'avais pas la carte qui est forte dans ce match-up pour toi, c'est la 3-4 qui a résurrection et qui te heal de 3 quand elle meurt. Je l'avais à la fin là, mais j'ai Ah. préféré jouer la Katrina pour ramener la 2-6, enfin l'infiltrateur Ah habile. ouais? Mais si tu jouais la carte, t'avais gagné, hein, si tu jouais la 3-4, non? Je sais pas, mais je me rappelle plus trop bien, mais. Genre, parce que moi, en fait, je pouvais. Ouais, mais là j'avais une grosse chance de j'avais une chance sur deux de ramener l'infiltrateur. L'infiltrateur, c'est pareil, tu me tues pas. L'infiltrateur, c'est quoi? C'est la Et 2-6? ouais, et comme ça au moins je peux derrière je peux développer tranquillement. Le problème c'est que c'est un peu la même si je fais la 3-4 et que tu développes un board, je suis toujours derrière quoi. Ouais. Je sais Ok, pas. ok, ok. Ok, bah bien joué. Ok, bah moi il me reste 3 decks, je crois, à valider. Ok. Mais c'est mes 3 pires. Donc il y a moyen que tu fasses une grosse remontada là. Ok. Vas-y, mec, à tout. Ouais, je pense pas que. Je pense qu'il a mal joué en vrai. Je pense qu'il fallait vraiment à tout prix jouer la 3-4. Il n'y avait aucune raison de pas la jouer pour le coup. Je vais jouer ça d'abord, je pense que c'est le moins pire des 3. Il n'y avait aucune raison de pas le jouer, la 3-4 là. Genre vraiment, Katrina, c'est juste qu'il a grid. Je pense qu'il a pas pensé au truc de Leeroy. Je pense qu'il a pas pensé au petit poulet. À mon avis, il y a pas pensé. Parce que c'était hyper greedy en vrai ce qu'il a fait. C'était Lumière méga vous grid. apportera l'espoir. Que la traque commence. Ok. On va garder ça, on va garder ça maintenant. Là. Ah, peut-être pas ça. Vu qu'il joue pas trop de trucs, lui. En début de partie, il va rien jouer de toute façon. Donc ça, on va le garder, mais. Ok, on fait comme ça? Ah, vas-y, go. J'aime bien. Tu pièges le serpent, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. C'est bien, après dans ce match-up là, je pense qu'il me faut genre compagnon animal sur 3 et il faudra que je puisse mettre la pression. Mais appel du maître, c'est vraiment chouette. Ça, c'est bien parce que ça pourrait lui faire un petit peu peur pour le coup. Après, il a probablement un mode de l'ombre douleur ou un truc comme ça. Ah. Tu le joues pas avec l'espoir qu'il reste sur le board de toute façon, lui, mais. Oh non, deux fois ce piège à serpent! Après, ça, c'est trop cool parce que ça te valide la quête super vite. Yen alpha, après smite, ok. Ok. Je vais les jouer, juste envie d'avancer sur ma quête. Sais pas s'il va pouvoir. Après là, il pourrait piécer la 2-6 comme il avait fait tout à l'heure par exemple. Ça c'est fort. Oh, il le fait pas, lol. Fait comme ça. En vrai, il a pas beaucoup d'AOE, hein. Il a les hystéries collectives ou les trucs comme ça, mais moi ça m'est égal en vrai. C'est pas très grave s'il fait ça. Ok. Est-ce que j'ai envie de jouer Grande Crinière des Savanes ou pas? Ça j'aimerais bien le faire, mais de toute façon la quête j'en suis encore loin donc j'aurai tout le temps de le faire. J'aimerais bien invoquer Grande Crinière 3, 4, 5, 6. Comme ça. Tuer lui, ok. La savane elle est forte aussi parce qu'en fait quand elle meurt elle invoque 2-2-2, du coup ça t'avance sur la quête aussi. C'est en gros c'est un deck un peu token tu vois, mais pas le token mecha que tout le monde joue. Là celui-là il est un peu plus original, il est un peu plus fort aussi, je trouve. Enfin, contre certains match-up. Après il y a plein de match-up qui te roulent dessus mais. Ok. Donc il va probablement le ressusciter à un moment donné mais. Que voulez-vous, c'est la vie. Donc 3, 4, 5, je pourrais faire ça là-dedans. Ah merde, oh fait chier. Du coup, je peux pas envoyer ça et ça. Du coup, est-ce que peut-être je joue ça, non? On s'en fait comme ça. C'est dangereux pour lui comme situation ça. Il va falloir qu'il se débrouille. Après, c'est possible qu'il ait du taunt. Il pourrait pièce Katrina Muerte aussi là. Katrina Muerte, c'est ce qu'il va faire. Katrina Muerte. Nice. Pas la 5-12. Cocasse.
Ok. Attends, les presse-pattes, j'en ai 2, plus ce coup-là, ça fait 2, 4, 6. 2, 4, 6, attends, ça je vais face, ok. Attends, j'ai combien de dégâts, 7, 8, 9. Ah non, je vais avoir l'étal, je crois, non. Ah, je crois pas, non. Ah, je crois pas, non, de toute façon, ils ont pas chargé le truc. Non, mais là, si je joue ça et ça, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux le passer, je crois. Ça fait 2, 4, 6, 8, ouais, je peux le passer. On me sort comme ça. Ok, nice. Plutôt nice. Après là j'ai juste peur au tour 9 qu'il fasse la résurrection et que la résurrection ramène Katrina et là c'est la merde. Mais bon, ce que vous voulez que je fasse, de toute façon ça c'est... De toute façon là il est tour 8 hein, et pas tour 9 donc il y a peut-être moyen en vrai. Faudrait que je top deck des trucs de ouf. Je sais pas. Psychopompe, ok. Oh, plus à réincarnation, quel enfer. C'est quoi ça? Mode l'ombre mort? Mode l'ombre mort, ça me valide la quête, hein? Non? Non, mais j'ai pas l'air de la valider en vrai. Ça, ça la valide, je crois. Ah non, mais. Vous m'avez compris. Putain, j'ai trop peur qu'il ait des trucs qui ressuscitent. J'aimerais bien pouvoir tuer lui. Si je tue lui, c'est trop cool. Oh, c'est bien ça, non? Ah, c'est trop fort ça. Trop bien. Pardon, excusez-moi. Désolé, ça m'a fait éternuer tellement c'était fort. Ça fait. On fait 3, il est à 9, on peut en envoyer 3 de plus. Ça, c'est des bêtes, donc je peux leur ajouter. Ah, pardon, excuse-moi. C'est pas ça. C'est 3. Ensuite, on joue Lou Alpha et on trade lui, je crois. On envoie 9 et comme ça, on envoie 3 à 3. Non, c'est pas ça. Et lui, j'aimerais bien qu'il aille face. Comme ça, il peut pas faire la résurrection. Donc, si j'envoie 3, ensuite, je fais Lou des Bois. J'envoie 4 et 4. Je vais prendre le coup ici, je pense. Sans souci. Et je le mets à 1. Et comme ça en fait il est en danger. Mais en vrai il peut faire la résurrection parce que j'ai plus le pouvoir avec du Hunter. J'ai plus le pouvoir avec du Hunter donc c'est un peu dangereux. Mais lui il a toujours pas validé sa quête. Il a que à 2, waouh. Il est bien ce deck hein, il est cool hein. Il est trop cool à jouer, moi je kiffe. Après s'il fait la résurrection ça pourrait ressusciter la 3-1. Donc ça c'est plutôt, on va dire c'est le bon côté des choses quoi. Mais tu sais quoi, c'est s'il fait la résurrection ça ramène Katrina plus un Taunt. C'est la merde. Mais moi j'ai pas de dégâts face là. Du coup c'est terrible. Mais après j'ai pas de dégâts face certes, mais j'ai un pouvoir Hulk, attention. Mon pouvoir Hulk c'est pas qu'il existe plus, c'est un nouveau qui est juste plus fort en fait. Mais je sais pas ce qu'il a dans la main en fait. Après il pourrait avoir aussi le sort à 9 qui les tempêtes de le sable mouvant là que tu qui tue tout le board après avoir silence et auquel cas j'ai pas l'étal. Parce que là pour le coup il y a aucune carte qui me donne l'étal à part la deuxième arme qui tape 1. Parce que moi j'ai pas de horde de tuer dans ce deck. J'ai beaucoup de cartes qui ont rué mais j'ai pas de charge. Oh merde! Oh moi sort le. Ah c'est dur ça. Oh c'est dur les gars. Comment on fait? Je me demande. Si j'envoie ça, le truc c'est que je dois envoyer Savan et ça. Mais dans tous les cas je dois envoyer Savan, j'ai l'impression, donc autant le faire non? Mais je pense que je le fais parce qu'en fait en récupérant plein de ruées là, ça va me permettre de pouvoir gérer plein de trucs plus tard. Potentiellement.
Bon, ça le soigne de 6, mais je peux rien y faire. Ça l'avance pas mal sur la quête en plus. Et je vais jouer ça. Comme ça, il est quand même un peu en danger. Je peux faire Hero Power et avoir pas mal de dégâts. Ok, ok, ok. On a un petit follow. C'est gentil ça. C'est possible que j'ai mis l'étal à la game, à la, au tour de tout à l'heure. J'ai du mal à savoir. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que je me suis mal concentré sur le tour. Je suis pas sûr. C'est possible que j'ai mis l'étal. J'espère pas. J'ai un doute en fait sur ce que je pouvais faire. J'ai un doute quoi. Ça le heal beaucoup malheureusement, mais... Ça le heal beaucoup, mais bon. Je pense pas que je fasse le raise, par contre. Peut-être que je joue ça, je sais pas. Peut-être que je joue le lynx. Parce que si je joue le lynx, ça me fait... En fait, le truc c'est que le lynx il a rué, donc c'est plutôt fort. Mais le truc c'est que j'aimerais bien qu'il tape face en fait, surtout. Je pense que je le joue. Je sais pas, en fait c'est le dernier, c'est pour ça que j'ai hésité, sinon je l'aurais joué direct, tu vois. Mais surtout, vu que c'est le dernier, c'est pas... Tu vois, genre s'il fait Nao, je suis dans la merde, quoi. Oh non, il a fait Nao, ok. Par contre, je crois qu'elles sont pas sur la O. Hein. Les... Ah bah, y'en a qu'une, merde. Bon. Oh non, merde, elle est sur la O en plus. Fais chier, quoi. Ça. Ah c'est chiant, fuck. Bah après si je suicide ça sur le même tour je peux le reste pour le coup, mais je vais me le reste deux fois. Oh non mais c'est pas possible. Putain il tue tout. Ça me saoule. Au bout de l'ombre douleur en plus, lol. Ok bon et au bout d'un moment il va plus avoir d'AO, hein, pas en avoir à l'infini. Ah ouais non mais ok. Enfin des AO, des anti-bêtes, c'est pas des AO là pour le coup. Ok, on fait ça, ça et ça je pense. On les buff et... Là s'il a pas le raise, il est dans la merde. Par contre s'il a le raise, il est bien quand même. S'il a le raise, il est quand même bien. J'ai mis combien au score moi? On est à combien là? On est à 6-3. Non attends, on est à 6-3. Ok. Il a eu quoi? Ok la sonde. Ok il se heal lui-même. Moi interdit. J'ai l'étal ou pas? 4-8-9. Oh non j'ai pas l'étal. Attends. Non j'ai pas. J'ai pas les bro, mince. 6-6-12 plus 3, ouais fuck. Bon dommage. Après j'ai à lâcher les chiens en tant que pouvoir faire mal à tout instant. Avec le vengeance et tout, donc y'a moyen. On va voir, ça dépend ce qu'il top deck là. Tout va se dépendre s'il top deck un truc de taré ou pas. Il top deck un truc de taré. Ok, fait chier. Tout dépendait pas mal de ça là. Ah c'est dur là, il a top decké vraiment beaucoup de... D'AO en fait, il les a tout tués quasiment par la deuxième mystérie. Ok, c'est vrai, j'ai plus le pouvoir qui met des dégâts en plus, hein. C'est terrible. J'ai joué ça au cas où je peux faire ça, mais faudrait pas qu'il ait genre châtiment sacré. Il a déjà joué les deux mots de l'ombre douleur. Non, mot de l'ombre douleur ça passe pas, y'a rien qui peut le tuer à part châtiment sacré. Oh non, il l'a eu. Mais non, mais t'es dans l'abus! What the fuck? Il pouvait pas faire un meilleur tour que ça. Hein. Ok, bon. Bon, ok. Ça va être compliqué. Ça va être very compliqué. Donc là, c'est comment? Si je fais lâcher les chiens et que je les buff les chiens. C'est pas incroyable, hein, mais. Si je fais compagnon, je regarde ce que j'ai. Ok. Je vais lâcher les chiens, je les buff. J'envoie 3-6. Quand on fait comme ça, c'est la merde, hein. C'est la giga merde les bros. C'est la giga merde.
Putain, là, le tour de la game d'avant, il a gagné dessus. Ah, il était trop fort sans toi. Fuck. Ah, je récupère les serpents. Peut-être qu'avec les serpents, il y a une solution. A voir s'il arrive à les tuer ou pas. Parce que moi, je peux les buffer et tout. A voir. C'est jamais perdu, hein. C'est jamais perdu là. Là, après, ça dépend ce qu'il a top decké là. Ça dépend ce qu'il a top decké s'il a de quoi les tuer ou pas. Est-ce qu'il va encore top decké Naoe ou pas? C'est ça la question. Il en a plus beaucoup, il doit lui rester. Mais non. Soit c'est la dernière. Il n'y a plus rien, ouais. Là, c'est la dernière, il les a tout tués. Et bah. Et bah, incroyable, hein. C'était impressionnant là. Bon. Bah, je sais pas, moi je fais de mon mieux. Hein. Moi je fais de mon mieux, les bros. Là, je dois admettre que c'est chaud. Hein. Il a l'étal là. Non, remarque, il a pas l'étal. Ça passe à 11, ça. 11, c'est pas égal à 12. Hein. 11 n'est pas égal à 12, mesdames et messieurs. Retenez toujours ça. Donc ça c'est un piège à rat, donc le piège à rat vraiment il sert trop à rien parce que dans cette situation là en fait il va... Enfin il a qu'une carte dans la main depuis un bon moment quoi. Donc piège à rat c'est pas une bonne carte pour moi. Ok, bon. Le tour 9 où il a invoqué tout et il a fait en plus le Holy Smite, il a juste auto win. Fuck. Bon c'était je vais l'appeler, mais c'était belle game celle-là, belle game. Aïe 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 aïe. Ah fuck, dommage. Salut Big Boy. T'as mis létal Coco. Quand ça? Bah tu sais, à un moment t'as... attends. Je crois. Vas-y, dis-moi. Tu sais, quand t'as ta Savannah et que tu dois faire plein de trades avec tes nuées. Et je crois que t'as envoyé la dague dans une créa. Ta petite arme. Ah, et du coup si... Et il te manque un et en fait tu me mets à 1. Ah, attends, et du coup et je pouvais passer sans la dague du coup. Ah bah largement, t'avais 4-1, t'avais 3-4-1 qui n'ont pas attaqué. Ok. Ah mince, ouais, ok, bien vu. Bien vu, ouais, ok, non, je l'ai pas vu. Moi j'étais, en fait, j'étais tellement persuadé de gagner à ce moment-là que j'ai pas trop. j'ai pas réfléchi au tour entièrement, mais je me suis fait punir, tant mieux, hein. Mais ouais, bah, ok, merde, putain, ok, bien vu. Je pouvais faire dans le sens inverse et ouais, j'avais juste essayé d'optimiser les dégâts sur les créatures comme un con et c'était pas bon. Bah, GG à toi, hein, du coup, tu la mérites, hein. Ah, il a l'air nul quand même, ce prêtre Azurect, mais. Bah, je sais pas, moi ça marchait bien, hein. C'est lent, mais t'as des très bons tours de temps en temps, mais de temps en temps quand t'as rien. Et il y a beaucoup d'aléatoires aussi, parce que quand tu restes à 3-1 dégueulasse là, t'es vraiment dégoûté. Ouais. Et sachant que le sort de résurrection, c'est pas comme l'ancien, tu peux ressusciter 3 fois la même carte. Du coup, des fois, oui. tu fais le sort et tu ressuscites 2 fois la 3-1 ou 3 fois la 3-1, t'es trop dégoûté quoi. Ça dépend quoi, mais... Ah, c'est clair. Voilà, GG à toi et bah vas-y, on continue. Et bah allez. Hop. Alors 6-4 et lui il vient de valider prêtre. Je vais mettre à jour là. Et nous du coup il faut qu'on passe ce hunter. Hein. Attends, je vais juste mettre à jour le score vite fait. Hop là. Prêtre de valider pour fish. Ok, bon, qu'est-ce qu'on joue du coup? Ça, il nous reste ça, ça et ça. Ça, c'est le pire deck, ça. Hein. Ça, j'ai vraiment pas envie de le jouer. Hein. Rexxar, contre Rexxar. Ok, vous pensez que c'est Quest? Vous pensez que c'est Quest? Ça va être Quest. Si c'est Quest. On va aller chercher piège à serpent. On va aller chercher. Ça c'est pas bien parce que si t'as pas de piège c'est vraiment nul. Et la 2-2 elle est bien quand t'as des tokens, mais quand t'as des petits trucs, mais quand t'as encore rien c'est pas intéressant. Ok, bon. Là je suis dégoûté si j'ai mis l'étal sur la game d'avant là. Aïe 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 aïe, je m'en veux. En plus je me suis dit,
je me suis dit, en fait, vu qu'il y a assez plein de dégâts sur le board, je me suis dit, putain, c'est possible que j'ai mis Cétal, quoi. Parce qu'en fait, genre, quand tu mets ton adversaire à 1 et qu'il te reste des créatures sur le board, souvent, t'as peut-être une autre façon que t'aurais tapé que toi pour optimiser des dégâts, tu vois. Bon, c'est pas grave, ça arrive, mais. Donc, il joue Quest aussi, mais lui, je suis sûr, il joue Mecha. Fichu, c'est Tryhard Man, c'est sûr, il joue Mecha. C'est sûr, il joue Mecha. Ouais, ça sert, ouais. Mais y'a moyen. On verra. Que fais-tu? Joue la 2-2. La 2-2, ça m'arrange s'il la joue. Je vous avais dit quoi, c'était sûr, il jouait Mecha. Il nous fait un départ un peu coquin là. Un départ un peu coquin. Il faut pas que je me fasse déborder sur le board. Il faut que ce soit moi qui contrôle. Okay, c'est fort. Dis donc, t'es tour 3 mec, t'es tour 3, t'es tour 3 man, on fait quoi, on peut faire ça hein, en vrai on a lâché les chiens double loup des bois au prochain tour. Moi je pense que c'est le mieux hein. Moi je pense que c'est le top au prochain tour, on le laisse là, il joue des trucs, faut juste, idéalement faut juste pas qu'il magnétise, ça va être relou s'il magnétise. Mais ça je peux rien y faire de toute façon, s'il magnétise là c'est vraiment chiant, parce que s'il magnétise... un truc dessus, parce qu'en fait, vu qu'il a joué la 1-2, il pourrait avoir genre un tour 5 à magnétiser. Genre la 5-5 par exemple, tu vois. Et moi, j'ai pas de manière de quoi magnétiser. Ah, j'ai pas de manière de gérer une grosse créature, voilà, c'est ça. Donc, on fait lâcher. Ok, on fait tac, 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 tac. Cool. Donc là, pour 5 points de mana, il pourrait avoir le comment ça s'appelle, le truc qui tape 1 partout là. Parce que ça coûte, vu qu'il a joué la 1-2, il a baissé son prix potentiellement. Moi je vais essayer de valider ma quête vite pour pouvoir le battre. Parce que moi l'avantage de ma version, c'est qu'elle est beaucoup mieux au niveau de la value de la quête. Parce que la quête, tu la fais beaucoup plus vite. Et genre, beaucoup plus vite. Et donc voilà. Oh non, il y a un moustique. Merde. Je sais pas s'il est mort. Ok, comment on fait? Comment on gère ça? Ah non, il est là! C'est la merde! Ok, comment on fait là, les gars? On va faire ça. Je me demande ce que ça va ramener. Genre ça, ça tape 4, ouais. Donc on envoie ça là. Et on voit ce que ça ramène. Oh no! Étonnant. Oh, j'ai mal joué le mentor. Il est au fiche. Ouais, je crois qu'il est en occupé de toute façon. Fuck. Ah, je crois que j'ai mal joué là. Mince. Aïe aïe aïe. Je voulais faire différemment. Qu'est-ce qu'il fout? J'espère qu'il va pas avoir le truc qui tape un partout. Le mitrailleur là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est trop fort ça contre ce board. Mais bon, après, moi je suis bientôt fini la quête. Hein. Je suis à 16 déjà. Et ouais, 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 mon pote. Et ouais, mon pote. Mais si j'avais optimisé avec mon arme, j'aurais pu tuer les 2-7-7 et le machin. Enfin, tu te rends compte là, j'ai vraiment fait un tour de ouf. Ouh, beau tour ça. Ok, parce que ça lui permet pas mal d'avancer sur la quête là. Ça l'embête un peu, mais. Bon, pas plus que ça. Faut pas qu'il ait genre 9 vies ou une connerie avec le géant, parce que là, les 7-7 là, je vais pas pouvoir les gérer à l'infini. Hein. Ok, je suis à 18 sur la quête. Et lui il est à combien? Et lui il est à 15. Ok.
C'est moi qui vais la valider en premier normalement. Je pense pas qu'il en invoquera 5 sorts ce tour, à moins qu'il ait le deuxième sort à 6 là. Je savais pas qu'il jouait le sort à 6, c'est intéressant. Mais du coup, il joue probablement pas le magnétisme, la 4-4 là. Peut-être qu'il la joue pas, en vrai, je peux pas savoir. Mais bon. Intéressant. Ok, pistage. Ça peut lui permettre d'aller chercher une petite extra agressivité là. Oh, ça peut être chiant ça. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. On a eu un sub. Allez, The Flab. Nice. Ok. Oh, salut beauté. Salut beauté. Comment on fait ici? Genre, on le fait, non? Genre, est-ce que c'est pas genre tous les jours on fait ça? Genre, on en invoque 7, c'est juste parfait. On valide la quête, c'est juste parfait. Je fais le Hero Power. Je tue les deux et j'ai un board de ouf. Ouverture du caveau. Hop là! Wallé! Alors là, je sais pas trop comment il comeback de ça, mais son deck il est très fort, donc faut jamais sous-estimer, mais on est plutôt bien là pour le coup. Au prochain tour, je ferai probablement compagnon animal, des lynx et hero power. Après, ça dépend ce qu'il joue sur ce tour, mais ça dépendra toujours de ce qu'il jouera, mais bon. Qu'est-ce qu'il peut me punir? Pas grand chose en vrai. Lâcher les chiens, c'est chiant, ou la 4-4 qui tape un partout, c'est chiant, mais sinon il y a rien de bien embêtant. Après, il les aura pas forcément, et même s'il les a, c'est même pas si grave. Si par exemple il a lâché les chiens, c'est une des meilleures cartes possibles là, il va juste, ah bah voilà, et ça va juste tuer ça en fait. Mais après ça lui valide sa quête, c'est ça qui est embêtant. Mais tu me diras, la quête il pouvait la valider avec tout et n'importe quoi, il suffit qu'il joue genre un bombardier. Bah justement c'est bombardateur je crois la 4-4. Et bombardier c'est la 3-2, qui invoque les 2-0 de bombe je crois. Je sais pas ça, ou l'inverse. Ou l'inverse, 1-2-2-1-2-2-1-2. En tout cas, ok. 9 vies, j'imagine qu'il va le faire sur le dragonnet mécanique. Le dragonnet mécanique. Ok, ok. Oh, ok, big boy. Donne-moi. Ok, qu'est-ce que. Et salut tout le monde. Bon, le record à cut, du coup, on était à 7-4. Et c'est moi qui ai gagné, du coup, j'ai validé mon. Hunter, voilà, je gagnais, ça va, c'était assez easy, en fait j'ai juste mis un bon board et il pouvait plus gérer, il a capitulé. Mais ouais, c'était une belle game, ça a cut le record parce que j'avais plus d'espace sur mon PC malheureusement. Alors, ça se garde c'est sûr, ça l'est moins, ça se garde c'est sûr. Est-ce qu'on garde le jongleur ou pas? Le truc c'est que le jongleur il rend vraiment beaucoup de dégâts en début de partie. Et c'est important de le bourriner parce qu'il a pas beaucoup de cartes défensives. En vrai, Ziliak c'est assez fort, mais. Ok, j'ai eu le Kangoubot. En vrai, si j'avais su, j'aurais peut-être gardé l'autre. Mais tu vois, genre, en vrai, je pense que ouais. Je pense que ouais, il a que Ziliak en défensif. Et en vrai, les dragonnets mécaniques et tout, c'est très fort. Après, il fait 9 vies et tout. Donc, je pense pas que je puisse jouer le long terme. Il faut vraiment que j'essaie de le bourriner vite. Très bon tour 2 ça, dis donc. Est-ce que je pièce ça ou pas? Je pense que oui hein. En vrai on pièce et on tue. Non, tranquille, au prochain tour je vais jouer ça, si je vais jouer ça, tranquille, ça va. Le tchik-tchouk il est bien, on aime bien le tchik-tchak, c'est une bonne carte. Après là si j'avais eu la 2-2 c'était cool aussi. La 2-2 je sais que j'ai mulligan, mais bon j'ai mulligan parce que souvent elle est pas fou. Ah bah elle est là. Elle est de retour. Paf. Jongleur de couteau c'est très dangereux hein. A voir s'il va réussir à le gérer. C'est même pas sûr qu'il arrive à le tuer hein. Et s'il y arrive pas il est mal hein. Enfin, je vous le dis. S'il y arrive pas il est mal le man. Ok. Donc ça c'est pas un mecha. Donc moi je joue ça ici. Et je l'ignore totalement. Si le couteau avait tapé dedans peut-être que je pouvais le trade mais. Ah je pense que c'est juste double face. Je pense que c'est juste double face ici. Double face. Tout dans la chebou les gars. On y va, vamos. Oh, il est là. Il est là, les gars. Aïe, 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 aïe. Ok. Petit tapis volant. Qu'est-ce qu'on en pense du tapis volant ici? On pourrait live tap déjà, ça va invoquer un tour 3. Ça m'embête, ça. Hein. Ça m'embête, ça. C'est pénible, cette carte. J'ai pas envie de la laisser sur ce tour, c'est sûr. Mais j'ai pas de tour 1 pour comboter avec ça. Donc, si je live tap d'abord, on voit ce que lui, il invoque.
inclus, coûte 3, c'est cool. Je le joue. Ou est-ce que je bouffe un truc et j'essaie de mettre un laquais là-dedans? Je pense que je le joue. Mais je pense qu'on est obligé de trade là. Ça brise un peu le cœur de trade. Par contre, le tour 3, on avait un très très bon tour 3. Le tour 3, celui-là, c'est l'un des meilleurs du jeu. Clairement. Globalement, toutes les cartes qui ont un, qui ont un crit gar négatif, si tu l'échappes aléatoirement, t'es refait quoi. Oh, il a le deuxième. Fuck. Oh, c'est vraiment risqué. Comment on fait ici? Donc admettons que lui, j'ai 8, 13, 14, 15, 16. Il me manque 5. Admettons que lui il aille là. Et ensuite je bouffe lui. Lui il a 7, 7, 14, 17, 18. Je peux pas me tuer lui. Oh merde, j'aurais... Attends. Attends, merde, si j'avais joué ça, je pouvais trade avec. My bad. Là, dans tous les cas, je pourrais pouvoir faire ça avec ça. Je pense que je le fais. J'envoie ça là. Comme ça, lui, il trade là. Et je pense que je bouffe lui. Ok. Faut juste pas qu'il ait Ziliax, surtout pas. S'il a Ziliax, il a gagné. Parce qu'il va trop se heal, plus il va faire de très beaux trades. Mais je peux rien faire contre ça. Et de toute façon, ça me coûte trop cher de tuer tous en board. Et moi, je vais juste perdre la partie là si je trade tout. Alors que lui, ça potentiellement, ça lui trouve le cul de trade mon board. Je pense que c'est plus dur pour, c'est plus chiant pour lui si je trade pas que si je trade. C'est ça l'argument ici. En vrai, dans ce matchup, je sais même pas si c'est correct de garder la quête. Parce que la quête, elle t'apporte rien en vrai. Enfin, si, mais pas tant que ça quoi. En fait, elle t'apporte que tard dans la partie. Mais en vrai, moi, j'aime pas cette version qui joue. La raison pour laquelle j'aime pas, c'est que c'est une version qui gagne sans la quête. Et en fait, en général, souvent, t'arrives à, un niveau de la partie où, bah, en fait, t'as envie d'avoir le pouvoir qui tape 2 parce que t'as mis tellement de dégâts, parce que tes cartes sont tellement fortes avant. Que du coup après t'as limite c'est chiant d'avoir la quête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre version que moi je joue, il joue, ça joue plein de petits lynx, de petits trucs, de petites conneries. Et le truc c'est que la quête elle est trop forte. Elle est trop forte la quête dedans. C'est pour ça que je préfère ma version à celle-là. Ok, nuée de sauterelles. Bah y'a pas de Ziliax hein. Ça fait plaisir hein, franchement. Alors j'ai pas l'étal pour l'instant, mais lui il peut me donner un laquais charge. Un laquais dégâts. Après à voir s'il arrive à tout tuer déjà. Hop, hop, oh non, il tue tout. Aïe, 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 aïe. En plus, ça, ça reste en vie. C'est chaud, patate. C'est chaud, les gars. Comment on fait? On fait ça. Putain, il est trop chiant, ce moustique, de pas mourir. Ou alors, c'en est un autre. Non, c'est terrible. J'aime bien les tuer, moi, les moustiques. En fait, il tourne autour de mon PC parce qu'il y a les lights. Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais. Je vais manger celui-là. Hein. Je vais prendre ça, en vrai, j'ai juste envie d'avoir le maximum de créatures sur mon board. Je pourrais donner ruée à lui et aller chercher lui, mais je pense pas que ça soit bien. Juste ça, en fait, ça m'assure un board de ouf. Ok, c'est pas très fort, mais c'est pas grave. C'est pas très très puissant celle-là, mais c'est pas très très grave. Yes! Oh là 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 là, vamos. Ok, bon. Ouais non, c'était compliqué pour lui en vrai, il avait pas beaucoup de machin. On a 8-4 les gars. 8-4. Plus qu'une victoire et moi j'ai gagné. Et... Mais par contre c'est mon voleur donc c'est chaud patate. C'est chaud patate. Il m'a call ou pas? Il m'a pas call. Je vais attendre qu'il me call.
Alors, et moi je viens de valider qui du coup? Moi je viens de valider. Et je vais laisser un petit peu de place. Alors, il me colle pas, je vais l'appeler. Hello, hello! Allo, yo yo yo. Yo! Bon, je sais pas trop quoi débriefer sur cette game. Hein. Bah, ma sortie était un peu lente. Ouais, mais ton deck, j'ai l'impression qu'il est très greedy aussi en fait. Genre Non, je. les 3-6, je savais pas que t'en jouais 2. Et je sais pas, ça fait pas un peu beaucoup quand même. Oh, il y a quand même une curve basse, hein. Ah ouais? Là, j'ai vraiment eu des. Ouais, j'ai eu Ok, globalement eu des mauvaises sorties, mais j'ai beaucoup de T2 et de T3. ouais, t'as juste eu tes plus grosses cartes alors du coup. Yep. Mais ouais, je m'étais dit qu'il fallait t'agresser parce que vu que toi tu joues la version un peu avec les 7-7 et tout, si je t'agressais pas. Et mais en vrai, si t'avais juste Ziliax sur la 7-7, t'avais gagné. Hein. Parce Oui, bah que. c'est ouais, c'est ce que j'attendais. Ok, bah GG, bah du coup, moi il me reste mon voleur et on va voir ce qu'il va donner le voleur. Et puis bah bon courage à toi. Ok, C'est un ça voleur marche. tempo. Ok. Je me jouais. Tchuss. Alors, moi je viens de valider qui? Je viens de valider le zoo. Nice. Démo. Ok, cool. Cool. Plus que une victoire, on a gagné. Je dois C'est les 9 protéger classes, mes il faut valider les 9 classes. Ok, druide. Donc je vais piécer ça. Je regarde lui, j'ai pas la l'arme. Donc y a aucune nouvelle carte dedans, je crois. Je crois que j'ai pris un voleur tempo avec aucune nouvelle carte. Fuck. Je vais piécer ça. Et du coup après je pourrais jouer ça. Je sais pas si j'ai. Ah si j'ai ça comme nouvelle carte dedans. Je l'ai pris, si vous avez regardé au début de la vidéo, je l'ai pris sur internet. Moi je suis pas trop j'aime pas trop voleur, vous savez. Et du coup j'ai préparé des classes sur tous les decks, des decks sur toutes les classes. Et ce deck là, non. Ce deck là je me suis fait trop la flemme. Psst. Oh merde! Je commence à fatiguer, merde, zut! Zut! Merde! Oh, j'ai une somme de ouf! Oh non! Aïe 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 aïe! Je déteste voleur, c'est genre la pire classe. Justement, j'avais voleur, je pensais que j'étais à 2 mana, mais j'étais à 1. My bad. Putain, en plus, la puce a été trop bien pour moi. Fais chier quoi. La buzz, elle était vraiment trop forte là. Putain, du coup, lui il avance sans saquette, genre sans complexe quoi. J'ai trop de seum quoi. Oh non, sérieux. J'ai trop honte, j'ai vraiment trop honte. Je suis pas sûr, j'ai envie de poster ça sur YouTube. Ah, je vous fais confiance, c'est comme ça, rien vu. Hein. Je vous fais confiance, hein, les gars. Y a un contrat de confiance entre nous, j'ai envie de dire. Donc, ok. Alors là, comment on fait là par exemple? Si je fais ça, ouais, ça sert à en flinguer quoi. On peut juste faire peut-être. Je sais même pas, en vrai, c'est ça l'idéal, mais je sais pas comment faire. Je pense que c'est juste ça. En vrai, il y en a, ils sont tous bien en fait. Ou peut-être c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Oh merde! Ouais, ça va, vas-y, je vais la garder là. Putain, merde, je joue pas bien, je le joue trop mal. C'est une catastrophe ce voleur. Hein. C'est une catastrophe, j'aurais dû taper. J'aurais totalement dû taper.
pense que je le donne le Zephyr et c'est juste quand je veux l'argent. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui peuvent endommager sur le même tour, donc la prochaine fois je pourrais faire backstab et là je pourrais faire un gros tour. Idéalement je top deck un sort, genre éviscération ou quoi, et comme ça je fais tout, je joue masse truc sur un tour là. Je peux tout jouer en fait, là toutes les cartes là je peux les jouer sur un tour. Et du coup je peux avoir un gros Von Cliff. Que faire ? C'est vraiment débile voleur hein. Parce que je joue pas bien du tout. Et genre potentiellement il va quand même perdre. C'est vraiment stupide. Je veux dire, ça peut arriver de temps en temps de pas très très bien jouer un deck, mais... Putain, mais il joue rien. Oh, il fait les tours les plus chiants du monde pour moi. Vraiment. Ça me fait trop chier ce qu'il fait, mais... Je pense que je dois, genre, juste tout jouer là. Après, je backstab qui? Je backstab lui? Ou je backstab lui, hein. Je sais pas, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, à voir. J'ai vidé ma main, mais de toute façon, en fait, si j'attends qu'il joue des trucs, je vais perdre en fait. Genre, je vais attendre qu'il joue des trucs, d'accord, mais. Et ensuite, je vais en gérer un, peut-être deux, et ensuite j'ai perdu. Donc non, il faut juste que je trouve une manière de que lui, en fait, que ce soit lui qui ait perdu et non pas moi. Après, il est à 9 mana, donc c'est toujours compliqué, mais si je joue un taunt, je peux juste assommer et aller tout droit. Hein. Là, si tu passes à ce qui est fort probable. Après, il a joué deux fois la carte qu'il découvre là, donc potentiellement il peut avoir un silence, tu sais, la 2-2 sur cette carte là, vu que c'est un choix des armes, tu peux la récupérer sur la carte qu'il découvre là, découverte pour 1. Ok, ça va, c'est fort ça, mais c'est pas la fin du monde. Et qu'est-ce qu'il nous fait d'autre? Innervation, et il se heal, ok. Ça, je peux le sap pour le coup, mais. Ok. Faut que je top deck élément instable de Mira, genre tout de suite. Faut que je top deck élément instable de Mira, mais genre à zap. Si possible maintenant, tout de suite, comme ça, à la direct. Putain, il a mis du temps à l'arrivée la deuxième partie de l'animation. Attends, il a eu sur quoi ça? Ah d'accord, ok. Bien joué. Non ouais, je pouvais rien faire là. Aïe 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 aïe, je vais rentrer le score 8-5 du coup pour lui. Pour moi pardon. Lui vient de valider son voleur. Donc je vais l'écrire là. Voilà, voleur. Hello. Allo. Oui. Ouais, beau bah... petit play hein, tour 1. Mais ça a lagué, ça a lagué. Ça a lagué, qui dit qu'il est escroc. Non ouais, terrible ça... Non mais ouais, c'est mes voleurs, je... Je suis allergique aux voleurs, hein. Vraiment moi je... Ouais, mais on a vu. J'ai tellement mal joué, c'était terrible, genre j'avais tellement honte, je crois, je sais même pas si je vais mettre sur YouTube ça. Hein. j'ai trop honte, mais ouais, GG. De toute façon, je vais faire 0-10 en voleur, hein. C'est impossible que je gagne. Mais bah... non, en vrai, le deck il est sympa. Tu sais que les cartes, quand je les pioche, je les lis de temps en temps ou pas?
C'est ça ou pas? Du coup, ouais, c'est chaud quand même, mais bon. Oh, ouais, c'est... Vas-y, bah, il te reste quoi à valider? Toi, t'as validé voleur, prêtre, chaman, Mage, guerrier, démon. chasseur, voleur, paladin. Non, voleur, c'est bon. Chasseur. Non, j'ai pas validé voleur. Ah non, non, ok, non, pardon, ouais, Il c'est me pas. reste 4 à valider. Ok, T'inquiète, ça va le faire. vas-y. Vas-y, vas-y. Reste le même hein, sur voleur. Hein. Allez. Vas-y, vas-y, à toutes. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'était pas voleur qui l'a validé, déjà, j'ai écrit voleur, c'est druide qui l'a validé. Le voleur, personne l'a validé encore, mais après ça se trouve, il va puer la merde avec son voleur. Après, moi j'ai mon mage, c'était un peu mon deck le plus fort et je l'ai sorti direct, tu vois. Donc, à voir. Le truc, c'est que si c'est un mage cyclone, genre ça, c'est un peu tôt peut-être pour les avoir, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est bien. Pff, le truc, c'est que si je les enlève et que je récupère des Von Cliff et des conneries comme ça, c'est encore pire. Je préfère me dire là, je peux gérer éventuellement 2-3 créatures de début que finalement de les enlever. Parce que en vrai, genre l'arme, elle est nulle. Enfin, elle est pas nulle, mais pas incroyable. Ah, je sais pas. De toute façon, je sais pas très bien jouer voleur, c'était. Là, on va apprendre, hein. Vol de vie et réincarnation, c'est pas mal ça, dis donc. Plutôt chouette. Après, ces trucs comme ça contre mage, des fois ils sont tués par des avos et tout. Chat du pharaon. Le chat du pharaon. Oh là 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 là. De grosses cartes du coup. Je sais pas si je pars full aggro avec cimetière fourchu et tout. Il joue pas quête du coup. Mais qu'est-ce qu'il joue? S'il joue cyclone, c'est pas bête d'aller full aggro, tu vois. Non, on sait pas s'il joue cyclone, on sait pas ce qu'il joue. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue cette histoire là. Comment ça? Viens par là, comment ça? Non, c'est juste agent. Et on fait comme ça. Je pense qu'on a juste besoin de poser la 3-3 sur le board et. Allez, bien. Je pense que c'est mage secret. Ça doit être assez aggro en vrai comme mage, non? On va faire ça, on va voir ce que c'est comme secret. Ah non. Ça peut être barrière, ça peut être contresort, barrière. Ouais. Ça doit être celui qui tape 3 partout, je pense. Je sais plus comment il s'appelle. Y en a plein en vrai, mais je peux pas me permettre de perdre mon board là, je pense pas. Vol de vie, réincarnation. Genre en vrai, c'est peut-être bien, mais le truc c'est que si je tape pas. En fait, ce qui m'embête là, c'est que si je tape pas. Et bah. Tôt ou tard, en fait, il va faire. Tôt ou tard, il va faire des AOE. Comment je peux faire? Hey, dégagez. Ce n'est pas une cible valide. C'est un secret qui vient de son deck, donc je pense pas que ce soit Vaporize. Hey, dégagez. Je pense pas que ce soit Vaporize, à mon avis, c'est pas ça. Ah putain, c'est ce qui tue tout. Ouais, fuck. Je vous tuerai. Votre présence me passe. Ok, bon, on va faire comme ça. On va jouer lui ici. C'est trop horrible les secrets du match parce qu'ils font tous un truc tellement différent et c'est un panel tellement large. Mais qu'est-ce qu'il joue? Il joue Highlander, non? Oh, Galaxy de Poche de Luna, ok. Ouais, c'est Highlander, c'est sûr. C'est sûr que c'est Highlander là, non?
J'ai ça ou ça au prochain tour. En vrai, je peux lui voler la game assez facilement. Là, à tout instant, la game, elle est volée. Genre, je sais pas si. Je pense qu'il a mal joué Galaxy de Poche de Lena, je pense que c'était une erreur. Oh, il a Ziliax, ok. Mais Ziliax, je vais le backstab. Hein. Donc, faut voir s'il a que ça. S'il a que ça, il est cuit. Hein. Après, il peut avoir le gel pour 1. Ok. Pas mal. Mais tu tapes où avec ton Ziliax du coup? Ah ouais, si tu tapes, c'est une erreur. Parce que du coup, je peux juste backstab et taper 4 face. Ah, ok, du coup, il commit la pièce plus machin. C'est une erreur. J'ai, si je fais backstab, ça fait Leroy 6, 10. Il y a eu des erreurs. C'est tellement stupide, voleur, quoi. C'est tellement stupide, quoi. Mais je pense qu'il aurait pas dû faire Galaxy de proche de lui-là. Et il aurait définitivement pas dû taper avec la 3-2 là. La Wazilex. Bon bah GG ça. GG GG. Mais le limon aurait été sympa. Yo. Yo. Bah GG mec, a priori y a pas besoin de savoir jouer au voleur pour le jouer hein. C'est exactement ce que je disais. C'est vraiment débile comme classe. Mais... c'est vraiment stupide. Ouais, ouais, ouais. Bah là, pourquoi t'as tapé avec Ziliax? Bah, si je prends sap. Oh. Mais si tu prends sap, tu pouvais pas mourir? Si. T'étais... Si, tu mourrais pareil. Ok, ok, ouais. Ouais, ok, ok. Je sais pas. Non, c'était pas bête de taper du coup. Mais après, t'étais obligé de commit la pièce plus le gel. Mais je pense que c'est surtout la galaxie de poche de Luna. Peut-être t'aurais pas dû faire galaxie de poche. Non, parce que dans ce match-up, c'est pas très fort galaxie de poche. Vu que tu te fais agresser. Je sais pas, j'ai voulu grider. Ah ouais. La fameuse grid. Bon, bah, GG, mec. Du coup, tu. Niveau decklist de la méta là, qu'est-ce que tu penses niveau classe après ce BO là? Qu'est-ce qui t'a pour toi un peu marqué? Qu'est-ce que t'as trouvé nul? Bah, après, tous ces decks là, je les avais déjà joués. Après c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a genre 30 decks jouables en ce moment à peu près, entre 20 et 30, facile. Ouais, beaucoup de decks ouais. Et non mais vraiment beaucoup hein, genre chaque classe, genre par exemple en druide, il y a à peu près genre 4 ou 5 druides différents, tu vois. Ouais. Et peut-être la classe où il y a le plus de decks, c'est peut-être le mage. Parce que le mage t'as plein de différentes versions de là, singleton. Ton mage c'était quoi? C'était Highlander? C'est Highlander, ouais. Il y a pas mal de mages différents. Il ouais. Y a le dragon, il y a le cyclone, il y a le Highlander, il y a plusieurs versions d'Highlander et tout. Ouais, non, mage c'est fort, mais même toutes les classes. Hein. Le Hunter, t'as vu, il y a plusieurs versions. Ouais. Le paladin, il y en a deux. Le prêtre, il y en a trois. Le druide, il y en a deux. Bah, le paladin, il y en a plein. Il y a quoi? Il y a Highlander, il y a Murloc. Il y a Mecha. Il y a Mecha, Highlander, Murloc. Il y a le Quête qui est très fort. Ouais. Le Quête est vraiment fort. Hein. J'ai pas joué moi le Quête. Tu en vrai, il est. Ah, c'est très très fort. Ok, ok, ok. En fait, t'as plein de petites merdes. En fait, tu curves plein de merdasses en early qui sont chiants parce que c'est la réincarnation. Ouais. Et en fait, en late game, tu bats tous les decks. Enfin, c'est le deck le plus fort dans le late, sauf que ça a une très bonne curve parce que tu joues que des créas. Okay. Non, franchement, le Paladin Quête, c'est un très bon deck. J'ai pas encore essayé, bah, je vais l'essayer. Enfin, après, là, entre guillemets, il n'y a pas pour le moment les meilleurs decks parce que personne ne joue Mage Cyclone dans la méta, heureusement d'ailleurs. Ouais. Ok. Ok, ok. Bah, GG à toi du coup. Shirvala aussi, c'est très fort, ça a été amélioré. Shirvala, oui, c'est vrai, mais j'ai vu aucun Shirvala moi depuis l'extension. Genre vraiment 0. J'en ai vu 1. Mais bon, en même temps, il y a tellement de classes que c'est dur de croiser deux fois le même deck. Clairement, ouais, clairement. Bon, tu veux faire quoi maintenant? On peut faire des games. Ok, ok, ok. Bah, vas-y, let's go. Hein. Let's go, moi je vais arrêter le record. Je vous dis au revoir sur YouTube, mesdames et messieurs. La vidéo sera en deux parties du coup parce que mon record a crash pendant. Et puis bah, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.